اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Par de Bay, côté droit, et ça relance l'équipe de l'Olympique de Médéa qui se contente d'évoluer par contre. Oui, parce qu'elle n'a pas de solution. Elle se replie rapidement pour créer la densité au milieu et derrière. Et puis pour aller vers l'avant, c'est une équipe qui va utiliser, si vous voulez, les attaques rapides. Une position d'hors-jeu pour Naes, le défenseur latéral, qui s'est permis quelques offensives, pourquoi pas pour prêter main forte. Tout cela pour dire que tant qu'il y a des occasions, on ose quelque peu du côté de Médéa. Oui, même à 2-0, l'OM Médéa n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut qu'elle joue son bateau, elle joue son football avec ses moyens du bord. Et puis en face, il y a le Mouloudia qui est en pleine confiance. Mohamed, ça va faire très mal. Moutaga qui préfère jouer court. Cette balle, vous l'avez si bien dit. Derby, l'un dans chaque camp, mais deux homonymes. Hein? Deux homonymes, mais au niveau du talent, la différence est grandiose parce que Derby, c'est un élément qui est très polyvalent. Un risque dit de lui qui peut même jouer comme gardien de but. Deux homonymes d'ailleurs, l'un vient de l'Est algérien, il évolue à l'entente de Sétif, le Rbaï Mouloudéen, bien évidemment. Alors que du côté, l'autre Rbaï, lui vient de l'USM Aynaba, évolué dans deux grands clubs de l'Ouest, de l'Est algérien. L'Est algérien, c'est bien. Haddad. Et là, le Omedia qui a un bloc équipe placé médium, c'est bien ce qu'elle fait pour le moment. Je pense qu'au niveau de l'attaque, cette équipe va souffrir parce que son dispositif de 4-4-2 n'est pas fait de manière pour gêner le dispositif de Mouloudia. On va le voir tout à l'heure. On essaie d'écarter au maximum au niveau de la charnière centrale mouloudienne. Arbaï Haddad. Et vous avez vu le contrôle orienté de Haddadi avec une opposition derrière. C'est bien, ça prouve que les joueurs de Mouloudia sont en pleine confiance. Un joueur de cran que de Haddadi. Qui évolue donc contre son ancien club, je ne dirais pas ses anciens coéquipiers, dans la mesure où l'équipe de Médéa a été complètement renouvelée. Oui, comme tous les clubs, on renouvelle. Chez nous, on a cette tendance à changer pour le plaisir de changer. Alors que l'on joue la 20e minute de jeu, ce score de 2-0 pour tous ceux qui viennent nous rejoindre ici au stade du Saint-Juillet. Rappelons l'ouverture du score de la part de Sami Flioui, le buteur de cette saison. Avec 4 buts dès la 7e minute de jeu, un très très beau but des 25 mètres. Attention, cette incursion en position de jeu, dira l'arbitre. Et second but, très très belle combinaison, suivie d'une très très belle feinte. Et Ben Saha qui est à la concrétisation pour inscrire le 12e but. Ça peut dire en tout cas que le Mouloudia d'Alger a fait très bonne impression dès le début du match. Oui, jusqu'à présent, très bonne impression, 2 buts à la clé, qui dit mieux. Et puis ce qui est bien dans cette équipe de Mouloudia, pour le moment Mohamed, c'est que quand elle est en possession de la balle, il y a rapidement, c'est Lamara côté gauche qui plonge et c'est Hachoud côté droit qui plonge, ce qui veut dire qu'à chaque fois, il y a du surnom. Et toujours souriant, bien évidemment, l'ex-Harachi Harag, doté d'une insolence technique incroyable, il faut le dire. J'aime bien voir ce joueur avec Naes Laraba, le défenseur qui essaye de passer obstruction, dira l'arbitre. Contre Ben Saha, je suppose, qui va permettre... Vous voyez sur cette action et faute tout à fait évidente qu'a sifflé l'arbitre M. Abid Sherif, mais sont pas trop l'équipe de Médéa qui n'arrive pas à trouver les failles, si bien que le gardien Moutaga n'a pas été en tous les cas inquiété durant ces 22 minutes de jeu. Et Mohamed, comment voulez-vous qu'ils soient inquiétés? L'équipe adverse d'entrée, elle a encaissé deux buts, ils les ont assommés. Pour ce coup franc bien joué, très très belle intervention. Très très belle anticipation du gardien Moutaga. Quelle prise de main, il est parti dans les airs pour maîtriser le cuir. Oui, des centres comme ça, plutôt des tirs comme ça, c'est beaucoup plus pour les gardiens. Fort heureusement que le portier mouloudien est sorti parce que ses défenseurs ont été quelque peu passifs pour qu'ils étaient 3 ou 4 et que les attaquants médéens étaient en embuscade. On voit qu'un joueur qui est à terre va sortir certainement cette balle. Non, on l'a fait jouer, il s'est relevé, les joueurs même mouloudéens.
avec, vous l'avez si bien dit, Hachoub qui joue pratiquement comme quatrième, cinquième attaquant, il faut le dire. On essaie de faire circuler le ballon et ça mijote avec ce but. Oh, quel tir de Haddadi. Tofiq Haddadi qui a tenté sa chance. Il a l'art pourtant d'avoir une très très bonne frappe de balle et l'a dévissé au dernier moment. Oui, ah, c'est bien ce que fait. Oui, Fata. Juste à signaler que le coach de l'OMEDEA, Sherif Hadjar, n'est pas sur le banc de touche, mais plutôt en tribune. Moi, personnellement, j'ignore la raison, parce que c'est l'entraîneur adjoint qui est en train de gérer son équipe. Ah, c'était bon à signaler, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore qualifié. Tout à fait. Et puis Fata, indépendamment des problèmes financiers que rencontre l'OMEDEA, son entraîneur n'est pas sur le banc. Il est dans les tribunes, ça veut dire que ce club est vraiment souffre. Hein. Oui, c'est très clair qu'ils sont en train de souffrir. Ça se sent carrément sur le terrain, mais on sent quand même la petite tension même sur le banc de touche. Et une faute donc contre l'Olympique de Médéa, qui va permettre donc aux visiteurs de relancer le balle qui s'en va en touche. On va Romari, grande taille, un bon attaquant, mais qui est scellé, il n'arrive pas à s'approvisionner en bon ballon. Oui, d'abord, bien vu, bien souligné Mohamed, parce qu'il est victime de son animation de l'OMEDEA. On ne joue pas assez sur lui, il n'est pas épaulé à chaque fois, il est scellé. Harag, avec son pied gauche magique. Harag qui joue en libéro. Pratiquement. L'équipe du Mouloudia qui prend tout son temps, en tout le cas, pour mijoter bien des coups avec cette balle en fait changement. Attention, dommage qu'il a raté son contrôle. Hachoud qui se reprend, il perd cette balle. Il y avait une bonne opportunité, en tout cas, sur cette action. Oui, belle opportunité, comme vous avez si bien souligné, Mohamed. Et puis, sur cette action, entre Hachoud et Haddadi, il y avait un certain excès de précipitation. On veut marquer. C'est le cas de le dire, en tout cas. Alors que Haddadi n'a pas l'habitude, en tout cas, de rater ce genre de contrôle avec d'abord une première fois Hachoud, une balle sur Haddadi qui a perdu ce ballon, sinon ça aurait pu faire des dégâts. Oui, et puis là on voit que rapidement l'OMEDEA, quand elle est en possession de balle, elle n'arrive pas à enchaîner ses passes, elle perd rapidement le ballon. Il est tout seul, pas de soutien au porteur du ballon côté Mouloudia, c'est dommage. Ce qui facilite la tâche à la défense du Mouloudia. Balle récupérée encore une fois du côté des Blancs. Ce ne sont pas les Verts et Rouges qui jouent en blanc avec les couleurs historiques du Mouloudia. Le vert et le rouge qui n'est plus à présenter. Et vous l'avez si bien dit avec Hachoud. Et là, Mara, les deux flèches mouloudéennes à droite et à gauche qui prêtent main forte à leur attaque. Avec Floui qui contrôle ce ballon. Reprise avec un beau joueur, il va essayer de changer. Il y avait de l'hésitation et ça profite au Médéa. Dans son balle reprise encore une fois pour le Mouloudia d'Alger. Avec ce contrôle de balle qui s'en va en corner, je suppose, elle a été déviée au passage. Et c'est bien ce que voulait faire ce joueur, ce Bourdi numéro 8, parce qu'il a vraiment pris tout le temps, il voulait assurer. Malheureusement, son tir a été touché par un joueur Médéa. Excellent joueur que ce Bourdim, qui était lui ce Madalgé, il est parti à Béchar pour évoluer à la JS Saoura pour revenir récupéré par le Mouloudia d'Alger. Attention, avec ce corner à partir de la droite, belle riposte de la défense médéenne. La balle est toujours Mouloudia, une balle qui s'en va en touche. Et ce numéro 25 de Mouloudia Mohamed, qui s'appelle Ben Saha, est en train de démontrer toute sa classe. Lui qui vient, je pense, d'un club tunisien. Ses premiers matchs n'ont pas été à la hauteur, mais contre le Paradou et aujourd'hui, il est en train de démontrer toute sa classe. Ancien joueur de la JS Saoura qui est parti en Tunisie, effectivement, à l'Espérance de Tunis. Oui, tout à fait, Fatah. Les 100 et or, comme on les appelle. Mon ami Fatah, une balle en touche au profit du Mouloudia, de l'Olympique de Médéa. Que dira l'arbitre? Retouche, non? Faute. Allez, pour balle pour le Mouloudia d'Alger. L'équipe du Mouloudia qui évolue avec beaucoup de sérénité. Vous savez qu'on mène 2-0 après 20 minutes de jeu. Ça donne en tous les cas tout le temps pour s'exprimer librement, d'autant plus qu'en matière d'individualité, le Mouloudia évolue un cran au-dessus. Oui, tout à fait, Mohamed. Je pense que cette année, pour le centenaire du Mouloudia, cette équipe a vraiment un bon groupe.
Avec cette reprise comme elle vient, c'était pas mal en pivot. Sauf que je peux vous dire que s'il avait cadré sur cette balle, ça aurait pu faire des étincelles de la part d'El Roumari. Oui, je disais que c'est un bon groupe, cette équipe de Mouloudia pour cette année. Et il y a de la variété, il y a de la qualité individuelle, il y a de la qualité collective. Et puis sur le terrain, pour être bon, il faut toujours rester très performant, gagner les matchs sur le terrain, ne pas s'enflammer et aller vers l'avant. Donc il était joli. Un plaisir aux yeux que se retourner de Romaré. Romaré qui, sur cette reprise de volée, comme elle venait dos au but, il a pivoté pour presque effleurer la transversale. Cela prouve que ça reste un attaquant de valeur. Un attaquant de valeur, Mohamed. Et puis j'ai senti que sur cette action offensive, le bloc équipe de l'Omédéa est resté trop derrière et n'a pas accompagné les deux attaquants. Nous l'avons dit et redit plusieurs fois, El Roumari qui souffre d'un manque de ballon, tout comme Dadash, le jeune Dadash, à ses côtés. Une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia d'Alger, qui continue à attaquer tel un véritable rouleau compresseur. Oui, Mohamed, vous savez, dans le football, quand on a les moyens offensifs et pouvoir marquer des buts, il faut en profiter, parce que le football va très vite. Lorsqu'on se permet des remplaçants de luxe comme Djamou, comme El Mouedden, comme Belkhir, comme Ben Aldia, assurément, c'est dire qu'il y a matière, un effectif de très haut niveau côté Mouloudia d'Alger. Oui, bien vu, un banc de touche avec de la qualité. Les bancs de touche actuellement sont un secours tactique pour tous les entraîneurs. C'est pour ça qu'en football moderne, on insiste beaucoup sur la profondeur du banc de touche. Tout à fait. Une balle côté gauche, on essaie d'alerter, tantôt à droite un shoot, tantôt à gauche Lamarin, avec de véritables flèches à droite et à gauche qui sont en train de torpiller depuis tout à l'heure la défense visiteuse. Une défense qui fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de sympathie que nous avons pour cette équipe de l'Olympique de Médéa. Une balle qui s'en va en 6 yards pour Alaoui, un jeune gardien venu de l'AS Modoran. Oui, c'est bien, l'AS Modoran a toujours donné de très très bons joueurs, c'est une véritable école. Balle déviée par Harag qui est pratiquement en train d'évoluer comme libéro, vous l'avez si bien dit. Oui, parce qu'il y a Arbi'i qui monte, il y a Hachout qui monte, il y a Lamara qui monte, c'est tout le monde qui monte. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour garder la maison. La maison, tout à fait. Allez, attention à cette action côté Mouloudia d'Alger. À droite et à gauche, regardez comment on évolue avec beaucoup d'aisance avec Adadi qui n'est plus à présenter. Une balle en profondeur, non à ras de terre. C'est bien vu, aux prises avec un 2, que dire à l'arbitre, il laisse l'avantage, il estime qu'il n'y avait pas de faute et qu'il était bien placé, en tout cas l'arbitre. Position d'hors-jeu certainement, oui. Et c'était bien vu de la part de M. Boulfelfel de l'autre côté, l'arbitre assistant. Et puis Mohamed, si vous permettez, je suis en train de voir cette équipe de l'Omédéa. C'est vrai que maintenant elle est menée par 2-0, c'est bien pour le Mouloudia. Et puis elle joue avec... si vous voulez, une certaine monotonie. C'est une équipe qui joue au ralenti. Peut-être que mentalement, elle a pris un coup. Vous aurez remarqué que le défenseur latéral gauche de Médéa, Naas Laraba, est en train d'évoluer vraiment comme joueur de couloir offensif, contrairement à Rebaï de l'autre côté qui n'ose pas tellement en attaque. Oui, ce sont deux styles différents. L'un est beaucoup défensif, l'autre est offensif. Vous savez, l'animation, c'est tout le monde qui participe. Il n'y a pas qu'un ou deux joueurs. Faute, dira l'arbitre. Sur Harag, qui prend un carton. Ouais. C'est mérité. Avec beaucoup de sourires, beaucoup de détraction. Abed Chalef, savait que l'aspect psychologique est important. J'allais lui dire tout à l'heure, très très bon technicien, mais qui parfois évolue avec un peu de fougue et prend parfois des cartons gratuits, comme sur cette faute. Tout à fait, je dirais tout simplement que c'est un très bon joueur, plein de qualités techniques, mais qui a un tempérament impulsif. Ce qui lui a valu d'ailleurs une deux expulsions l'an dernier. Attaque pour l'Olympique de Médéa, personne ne touche cette balle et Boutagain est obligé de se coucher sur cette balle dangereuse, il faut le dire, alors que la demi-heure de jeu est déjà consommée. On joue la 32e minute de jeu ici au stade du 5 juillet. Qui aurais-je de me répéter tout ce qui vient de nous rejoindre. 2-0 au profit du doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger,
2-0 inscrit par Frioui à la 7e minute de jeu d'emblée. Et Bensaha qui va corser, qui va doubler la mise à la 12e minute de jeu, assurément. Un début de match tout simplement tonitruant pour l'équipe du Mouloudia. Oui, Mohamed, vous avez utilisé le mot essentiel, tonitruant, c'est bien. Et puis, c'est vrai que jusqu'à présent, l'OMEDEA est menée 2-0. Mais je dirais tout simplement que si elle a vers l'avant, si elle revoit sa coupe en deuxième mi-temps, c'est une équipe qui peut bousculer cette équipe du Mouloudia d'Alger. Et puis le Mouloudia qui est en pleine confiance. Et c'est vrai que maintenant, elle gère sa première période avec des attaques placées. Et puis elle a la possibilité d'aller vers l'avant et de marquer d'autres buts. Cherfoy qui va relancer balle, mais intervention, belle intervention côté Mouloudia. Avec cette balle de Hachoud qui porte le brassard de capitaine. On dirait qu'avec son ancienneté au niveau du Mouloudia d'Alger, il aura amplement mérité ce brassard de capitaine. Le brassard lui revient de droit. Et c'est même, ça repart attention avec Harag qui est monté d'un cran avec son pied gauche de l'extérieur. Balle pour Rebaï qui va essayer de relancer. Bonne intervention, Charfaoui. Côté gauche pour Khemour. Attention à la surface de réparation, que dira l'arbitre, il laisse jouer. Il estime qu'il n'y avait pas faute. On ose quelque peu côté Olympique de Médéac. Cette balle, attention, va centrer, dommage à terre. Il va essayer d'armer son tir, que dire l'arbitre, coup franc plein axe. Et voilà, c'est bien ce qu'a fait Lacroix, parce qu'il a voulu avoir un coup franc, il l'a obtenu. Et puis on a vu à travers cette action Mohamed que l'OM Médéa, elle a pris cette initiative d'aller vers l'avant et elle a bien réalisé cette Allez, action. Allez, Lacroix qui a fait les beaux jours du Serb Lisdet, il fallait le rappeler. Oui. Notre ancien club d'ailleurs, qui avait porté les couleurs du CR du Chebeb de Blue is Dead, qui a fait une petite virée dans les pays du Golfe. Il a évolué au club de Qaysouma, club saoudi. Oui, Qaysouma qui est un club de deuxième division. Deuxième division. Et puis concernant ce coup franc Mohamed, je peux vous dire d'ores et déjà que Lacroum est doté d'une belle frappe de balle. On le connaît. C'est un véritable gaucher. Il peut la transformer dedans. Il y a de bons frappeurs au niveau de cette équipe de VDA. Il y a le Romari. Il y a Charfaoui aussi qui est capable d'avoir un bon coup de botte. Mais pour le moment, on va soigner le joueur du Mouloudia d'Alger en espérant qu'il y ait plus de peur que de mal. On voit sur notre écran Nabil Nariz, malgré cet écart de 2-0, qui insiste beaucoup sur la rigueur dans le jeu. Bien sûr, Mohamed, la rigueur est de mise dans le football, sinon tout va tomber à l'eau. Et puis il a intérêt à bousculer ses joueurs pour ne pas tomber, si vous voulez, dans la monotonie. Et sur la frappe, certainement, c'est Cherfaoui, comme vous l'avez souligné. J'avais dit, il a un bon coup de botte, Ahmed. Il a un très, très bon coup de pied. Il est capable, je peux vous dire en tout cas, que le mur, la citadelle algéroise a intérêt à serrer les coudes. Et ça va se jouer entre Cherfaoui et Lacroum. Hachoud Lamara, même Frioui est venu se mettre de la partie pour installer une véritable forteresse. Un mur humain composé de presque 7 joueurs. Ah, il a véritablement mal. Je peux te confirmer, Mohamed Haouchi, je peux te confirmer que le staff médical est en train de demander à Nariz de changer parce que je pense que c'est la fin de partie pour Rabéry. Dommage pour ce joueur qui était vraiment talentueux à mes yeux. Il a pris une godasse en tous les cas côté Médéa. Il n'y a pas que Charfaoui maintenant, ils sont deux ou trois tireurs. Ils sont en train de concerter, de se consulter, pourquoi pas. Mais ça va être certainement Charfaoui qui est en train de se préparer à botter ce coup franc plein axe, presque à la limite des 18 yards. Regardez le tact d'un arbitre avec beaucoup de sourire qui fait respecter les 9,15 m. Chose tout à fait normale, c'est l'expérience d'un arbitre. Il y a aussi Yassine Medden qu'on a oublié, l'ex-Harachi. Il va prendre son élan, il va buter sur le mur, que dira l'arbitre. On lève les mains côté Médéa. Mohamed Haouchine. Oui, Fateh. Et c'est Marouani qui se prépare à rentrer à la place de Rebaï. Marouani qui était pressenti comme défenseur axial au début du match. Personnellement, j'étais étonné donc de le voir sur le banc de touche. Chose tout à fait normale que Marouani reprenne sa place de toujours. Tout à fait. Je pense que ce changement est vraiment contraint pour Nariz. C'est vrai que Rebaï était bien. Il s'est blessé. Puis Marouani est bien placé pour le remplacer. Marouani qui est un très bon élément axial. Il va jouer à côté de Haddad.
Attention à cette action de la surface de réparation. Abdelhafid qui va essayer de se déporter. Il est contré au dernier moment par Chalfaoui. Abdelhafid qui est costaud, regardez, il est balèze. Oui. On le voit d'ailleurs sur l'écran. Regardez, on va revoir ce coup franc. C'était bien, il va buter. On a parlé d'une faute, non, main collée, qu'il n'y avait rien. Et c'était Ali Lacroum sur le coup franc. Et sur cette action de Abdelhafid, il a été vraiment égoïste. Il voulait à lui-même tout tirer cette action pour lui, alors qu'il y avait d'autres possibilités à jouer. Attention, corner à partir de la droite pour le Mouldi de la surface de réparation, intervention. La défense, pas pour longtemps. Balle récupère encore par Bourdim. Avec Haddad qui va mettre dans le tas. Ouh, elle a été dévissée au dernier moment. Cette balle, on va laisser certainement sortir en corner. Bien vu. Elle shoot dans le couloir gauche et c'est lui qui va tirer ce corner. C'est pas toujours le cas. Allez, il vous a entendu, on prend sa place. Oui, c'est Ben Sahra qui va le tirer. Ben Sahra qui a été tout à l'heure, qui a inscrit le deuxième but du Mouloudia d'Alger, alors qu'il y a un joueur médéen qui est à terre. C'est plutôt un épistaxis qu'il a, il est en train de saigner du nez. Ah, ça c'est le médecin qui parle. Oui, ça prouve que vous connaissez quelque chose, Fatah. Hein? Notre ami Fatah, nous avons du plaisir, Fatah Abada, à voir dans notre équipe depuis quelques temps, qui est médecin de formation, mais grand sportif amateur de football, n'est-ce pas Fatah? Oui, un de tes plus grands fervents supporters. Ah ben ça fait plaisir, c'est la grande famille, la famille qui s'agrandit. On va contester, la clôme qui va contester auprès de M. Ahmed Chalef, c'est-à-dire le pourquoi. Attention, corner à partir de la gauche pour le Mouloudia d'Alger. Beaucoup de demandes à cette de réparation. On demande aux soigneurs de s'éloigner quelque peu alors que le joueur de Médéa est en train de... Attention, le corner est un corner en train. Non, au niveau de la surface de réparation, il est dégagé facilement par les Médéens. Mais alors, quelle récupération côté Mouloudia avec Hara qui va essayer de changer carrément côté gauche. On connaît les déboulés de Harag, une équipe du Mouloudia d'Alger qui a toute la latitude de changer de côté à droite à gauche pour essayer d'étaler son jeu, bien évidemment, pour se créer des failles. Oui, tout à fait. Et les failles viennent après, si vous voulez, un travail offensif bien établi. Et puis là, cette équipe du Mouloudia, on le voit nettement, c'est une équipe qui est en train de jouer avec des passes au sol, avec beaucoup de mouvements. Ça prouve que c'est une équipe qui est en pleine confiance jusqu'à présent. Alors que l'on joue la 40e minute de jeu, plus que 5 minutes pour cette première mi-temps, c'est pas tellement ennuyé, avec deux buts d'écart pour le Mouloudia d'Alger, une équipe du Mouloudia qui évolue avec une aisance remarquable, risque de nous répéter. Et à côté, je peux vous dire que cette équipe de Médéa n'a pas encore démissionné. On n'a pas démissionné, mais au vu de ce qu'elle produit jusqu'à présent, Mohamed, c'est vraiment très peu. C'est, pour moi, c'est insuffisant. Parce qu'il faut beaucoup plus que ça pour tremper la vigilance du milieu de terrain mouloudien et de la défense mouloudienne. Abdelhafid qui a glissé au dernier moment, mais balle récupérée par Adadi. Harag qui va changer. Balle facile pour le gardien. Il va glisser le gardien Alaoui. Faire attention à cette pelouse très très bonne qualité, mais quelque peu glissante, Hamid. Oui, glissante, mais très jouable. Très jouable parce qu'elle n'est pas trempée d'eau, donc ce qui donne la possibilité d'être très bon sur le plan technique. Il s'est déclaré d'écarter au maximum. Chalfaoui complètement à droite pour Rbaï, l'autre Rbaï de l'Olympique de Médéa. Il essaie de passer la surface de réparation. Très très bonne intervention du défenseur Haddad, je suppose. Et balle facile pour Boutaga, qui fait preuve d'anticipation à chaque fois. En tous les cas, il est en train de bien anticiper tout cela pour éviter toute surprise. Oui, tout à fait. Les surprises assemblent dans le football. Et puis, je suis en train de voir le jeu de cette équipe médiane, Mohamed. C'est vrai qu'elle a encaissé deux buts, mais dès qu'elle s'approche de la zone de vérité, elle essaie de donner un plus. Et puis, elle perd rapidement les ballons, alors que dans cette zone, le ballon est trop précieux. Regardez comment on a l'art de se balader côté Mouloudia d'Alger. On prend tout son temps pour assurer les coups. Il est vrai que lorsqu'on a la chance de mener deux buts d'écart, et surtout à domicile, dans la mesure où le stade du Saint-Juillet est devenu le stade, le fief
le stade mascotte de cette équipe du Mouloudia d'Alger. On est à l'aise de se produire à domicile avec deux buts d'écart. Oui, deux buts d'écart. Et puis le Mouloudia, après presque une année, elle retrouve le 5 juillet un stade qui a toujours souri au Mouloudia. Dommage que le seul grand regret, c'est l'absence des supporters. Vous l'avez si bien dit, souligné, avec ce terrible Covid, malheureusement, le public est frustré. Fort heureusement qu'il y a le petit écran. La télévision nationale est au rendez-vous, comme chaque week-end d'ailleurs, pour faire plaisir aux millions de supporters d'amateurs de football pour suivre toutes ces rencontres de championnat. Quel pressing de la part du Mouloudia avec cette balle de Yassine Medden. Et Marouani qui a empêché la Croum de se retourner. C'est bien ce qu'a fait Marouani. L'équipe du milieu de Médéa qui essaie de riposter, en tous les cas, qui n'est pas tombé dans le pousse-ballon, qui n'est pas en train de jouer à l'abordage, qui essaie de s'appliquer, pourquoi pas, pour espérer revenir dans le match. Oui, peut-être qu'elle a les possibilités, mais je peux vous dire que ça va être très très compliqué. Il reste encore une deuxième période, Mohamed, où vous connaissez très bien le football. Et puis une Riz, sur le banc de touche, il a des éléments qui peuvent changer la donne. Il y a Belkhir, il y a Djabou, donc ils peuvent apporter un plus et pourquoi pas marquer des buts aussi. Voilà, aérienne. Très belle intervention, les deux joueurs restent à terre, ils se relèvent. Sarovar, il a raté son contrôle. Adadi, ça repart, on compte que c'est bien joué pour l'Olympique de Médéa. Complètement à droite, il va essayer de se centrer, Il est contré au dernier moment et corner au profit de l'Olympique de Médéa. Pour Yassine Medden, complètement à droite. La défense mouloudienne essaye de ne pas laisser d'espace. Bon regroupement, intervention de la tête, une balle qui passe à côté. Ah, dommage. Dommage, grand dommage. C'était bien joué, mais mal concrétisé. Une belle reprise de la tête qu'on va revoir certainement. Le numéro 15, Kemourk. Kemourk, effectivement. Un jeune joueur venu de l'USM Annaba. Reprise de tête, croisée. Dommage que la balle ait été bien cadrée. Dégagement Boutaga, loin en avant. Complètement à gauche. Très très belle intervention de Charfaoui. Il est longiligne, il est grand, il est courageux. Droit devant. Oui, droit devant. Dommage qu'il a été vraiment freiné par une vilaine blessure. L'année passée. Et deux minutes de temps additionnel, Mohamed. Bien vu, Fetter. C'est pour ça qu'on vous a posté en embuscade. Et alors que l'on joue la 45e minute de jeu, deux minutes de temps additionnel. Avec cette balle en profondeur, que c'était bien vu. Et très, très belle détente de Alaoui, le gardien médéen. Qui s'en va en touche. Non. Elle n'est pas sortie, cette balle récupérée avec beaucoup de facilité. Harag avec son pied gauche qui va assurer. À droite, à gauche, on essaie de revenir à droite, à gauche, derrière, en avant. Tout cela, quelle variété dans le jeu mouloudien. Oui, jusqu'à présent, le Mouloudia opère beaucoup plus par des attaques placées. Ça lui réussit. Attention sur toutes ces accélérations, ces incursions. Attention, il y a le feu dans la surface. Oh, à côté. Je la voyais dans le but. En tout cas, il est bien parti. Alaoui, l'excellent gardien. Et qu'est-ce qui a tiré Mohamed Lamara. Oui, ça prouve qu'après presque une mi-temps complète, on voit que le dernier tireur, qui est Lamara, un latéral gauche, qui joue bien dans son couloir, qui apporte et de la profondeur et de la largeur. Lui et aussi Hachoud, ce sont de véritables ailiers. Et c'est bien parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a d'abord la confiance et puis le jeu de Mouloudia est fait ainsi pour que Hachoud et Lamara partent dans les couloirs. Ils touchent beaucoup plus de ballons dans le camp adverse que dans leur propre camp. Donc on est rentré dans le temps additionnel, on joue la deuxième et dernière minute du temps additionnel. Et c'est-à-dire en tous les cas, attention à cette dernière attaque pour l'Olympique de Médéa, je suppose.
préfère revenir. Il arrive à trouver un soutien que c'est bien vu. À droite, tantôt à gauche, il va centrer une balle en corner, certainement. Oui, dira l'arbitre, et je peux vous dire que cette fois-ci, ça va être la dernière action du match. Est-ce que c'est sur corner, cette équipe de Média a la possibilité de marquer et rentrer avec un but au vestiaire, ce qui va leur donner beaucoup d'espoir. Vous savez, le football est ainsi fait. Attention au corner qui joue rapidement. Et Boutaga dans les airs, je l'avais dit. Il se concentre bien, évidemment. C'est-à-dire avec M. Abid Chalev qui va siffler la fin de la mi-temps. Non, plutôt une faute. Oui, la fin de la mi-temps. Alors, 2-0 au profit du Moulouga d'Alger. But de Flini, 7e minute de jeu. Et de Bensaha, 12e minute de jeu. Bien évidemment, Fatah, peut-être une intervention. J'attends le coach adjoint de l'OM Média parce que c'est lui qui a géré l'équipe en première mi-temps. Sinon, et en même temps, peut-être vont prendre Nariz qui doit être content de ses deux buts. On va les prendre les deux, tous les deux. Coach. Allez, à vous de jouer, Fatah. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, avec moi, le coach adjoint de l'OM Média. Coach, une première mi-temps très difficile pour votre équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de l'OM Média. Entrer le match faire la facilité. J'espère bien en 10e mi-temps on connaît bien Inch'Allah. Merci beaucoup. Et j'aurai avec moi le coach adjoint, le préparateur physique. Ok, alors le coach Nabil Nriz refuse de laisser le préparateur physique parler, donc on attendra la fin pour les avoir, Mohamed. Bien évidemment, allez, en tout cas, côté Mouloudia d'Alger, on aura du plaisir, bien évidemment, à savourer cette pause citron, comme on a l'habitude de dire. Tout cela, il est vrai que le Mouloudia mène 2-0, 2 buts d'écart, cela est assurément une avance considérable, rappelons-le. Premier but inscrit d'emblée, 7e minute de jeu par Semi Flioui. Semi Flioui qui prend la première place au classement de buteurs. Il était en ex-aequo avec Beldjelali, l'attaquant de l'AS Ochlef, avec 3 buts. Et là, il pointe à 4 buts. Et deuxième but de Bensaha suite à une très très belle combinaison. Assurément, 2 buts avec une supériorité au tableau d'affichage tout à fait méritée, à mon sens. Oui, méritée, parce que je dirais tout simplement, Mohamed, que cette équipe du Mouloudia d'Alger, elle a eu la réussite, elle est en pleine confiance. Elle est arrivée à marquer 2 buts d'entrée dans le premier quart d'heure, ce qui lui a facilité la tâche. Puis c'est des joueurs qui sont en pleine confiance. Vous savez très bien, Mohamed, que dans le football, quand vous avez des joueurs qui sont en pleine confiance, ils peuvent réaliser des miracles. Mohamed Haouchine. Oui, Fatah. En compagnie du président du Mouloudia, M. Almas. Président, on parlera pas du match, on va parler de ce qui s'est passé, question, histoire de Champions League. Alors, le Mouloudia devait se qualifier, l'équipe béninoise n'est pas venue. Ensuite, la CAF a décidé que le match allait être joué. Allez, racontez-nous tout ça. Merci. D'ailleurs, nous avons été, comme tout le monde, surpris par cette décision injuste vis-à-vis du Mouloudia. Parce que si vous l'avez constaté, il y a d'autres équipes dans la même situation qui ne se sont pas présentées lors des matchs retour, qui ont été disqualifiées automatiquement. Mais pour le Mouloudia, ils ont décidé de rejouer le match ou de reprogrammer le match. Et malgré que nous avons respecté toutes les procédures imposées par la CAF, y compris, nous avons obtenu toutes les autorisations, nous avons donné un plan de vol pour l'équipe visiteuse afin qu'ils puissent rejoindre Alger à travers Paris par le vol d'Air France. Au début, ils ont dit que le vol a été annulé, chose qui n'est pas juste parce que les arbitres que nous avons pris en charge ont débarqué à bord du même vol. Nous avons même prévu un bus au niveau de l'aéroport Houari Boumediene qui a attendu l'équipe. Malheureusement, il n'y a que les officiers qui sont arrivés tandis que les Béninois étaient aux abonnés absents. Et voilà, maintenant, cette décision, nous devons la respecter, mais quand même, nous avons protesté auprès de la CAF avec un écrit où nous avons dénoncé l'injustice de cette décision. Et nous avons, la décision est tombée le samedi. On avait juste 24 heures pour régler toutes les démarches. Alhamdoulilah, on a tout fait, les autorisations, les visas, un autre plan de vol. Et on attend jusqu'à 7 minutes, on n'a pas de réponse encore de la part de la CAF. On ne sait pas si ce club va arriver ou non.
Et vous avez pris toutes vos dispositions, c'est-à-dire que la CAF est informée, l'équipe béninoise est informée, le Mouloudia sortira blanc comme neige de cette histoire. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, je ne vous cache pas, depuis quelques heures, j'ai décidé de relancer encore la CAF avec un rappel que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse. Même les arbitres qui vont officier cette rencontre ne connaissaient pas ni leur nationalité ni leur nom. Pour pouvoir les faire venir, parce que c'est le Mouloudia qui doit les prendre en charge. Ce qui est étonnant aussi dans la décision, c'est quand on nous a demandé de leur présenter un plan de vol pour la date entre le 17 et le 21, ils nous ont demandé d'exclure le plan de vol via Paris. Chose que nous ne comprenons pas, du moment qu'Air France assure la liaison entre Paris et Alger, et Cotonou Paris. Mais cette fois-ci, on leur a trouvé un autre plan de vol via le Maroc, et on attend toujours leur réponse. Merci beaucoup, Président, pour toutes ces précisions. Donc, Mohamed, voilà le fin mot de l'histoire. Le Mouloudia a été contraint de trouver un plan de vol pour l'équipe béninoise, chose qui a été faite, ce que vient de confirmer le président Almas. Et en principe, le match devrait se jouer le 19. Merci en tout cas, Fatah, de toute cette belle précision. Il fallait, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à notre Ahmed Laribi, nous avons la chance d'être renforcés. Je peux vous dire d'ores et déjà, vous êtes titulaire dans notre équipe. Allez. Et donc, ce sont des explications tout à fait malheureuses de la part de la Confédération africaine de football, dans la mesure où on veut imposer à cette équipe du Mouloudia de trouver un itinéraire, de trouver un vol pour cette équipe béninoise qui menace. Je peux vous dire que si l'équipe béninoise avait remporté le match aller, les Béninois, en tout cas, feraient tout pour se débrouiller un plan de vol, n'est-ce pas? Oui, Mohamed, et puis vivement que ce match se joue, parce que ça devient un véritable feuilleton. On n'entend que plan de vol, il faut arrêter ce massacre. Chose est tout à fait normale. En tous les cas, on va attendre. Il est prévu que sur le plan de vol mijoté avec la Royal Air Maroc, les Béninois sont censés prendre un vol, bien évidemment, à Cotonou le 17 pour être le 18 au matin, en traversant, bien évidemment, en passant par Casablanca le 18 au matin et jouer ce samedi 19, bien évidemment. On verra d'ici le week-end si l'équipe des Buffles du Bénin serait présente en Algérie. Quoi qu'il en soit, on revient donc à ce match. 2-0, ça fait un peu trop pour l'équipe de Médéa. Oui, un peu trop. Et puis c'est une équipe qui a encaissé 2 buts dans le premier quart d'heure. Peut-être, je dirais peut-être, Mohamed, que si l'OMEDEA avait tenu beaucoup plus longtemps avant d'encaisser ses 2 buts, peut-être qu'elle aurait fait encore meilleure prestation. Mais il me semble que c'est une équipe qui est bien partie pour qu'en deuxième mi-temps, elle a d'abord, sur le plan mental, Mohamed, elle n'arrive pas à avoir, si vous voulez, cette capacité. On le voit nettement, elle perd rapidement les ballons. La possession de balle est beaucoup plus mouloudienne. Et puis c'est ça le football. L'entraîneur Cheikh Hadjar a parlé de grève. Voilà ce qui arrive quand les joueurs ne s'entraînent pas, quand les joueurs font beaucoup de grèves, et ben le sur le terrain, ils le payent cash. Et quand vous parlez de Cheikh Hadjar, on a parlé tout à l'heure d'ailleurs de son absence, il est dans les tribunes, on a parlé de joueurs, d'entraîneurs non qualifiés, ben, grâce à la complicité de mon ami Samil Lamari, journaliste du journal du quotidien Liberté, qui vient de me signifier que Hadjar est suspendu, et il fallait le savoir. Ah d'accord, elle est suspendue, donc c'est pour toutes ces raisons qu'il se retrouve au niveau des tribunes. Et puis l'entraîneur, il est fait pour être sur le banc de touche, malheureusement c'est comme ça. En tout cas, si vous étiez à la place de Hadjar, qu'est-ce que vous auriez soufflé à tous vos joueurs? Comment vous auriez réagi pour essayer de recadrer votre équipe? Malheureusement, je ne suis pas l'entraîneur, mais je vais dire ce que j'aurais dû faire. C'est vrai qu'à travers ce 4-4-2 dispositif déployé très tôt, ça n'a pas donné, si vous voulez, une véritable illustration. Mais je pense que si on arrive au côté plutôt médéen de changer de dispositif, mettre un attaquant devant, 2 sur les côtés et 2 derrière l'avant-centre, je pense qu'un 4-3-3 aurait été meilleur pour l'OMEDEA. Même si d'ailleurs elle est menée 2-0, cette équipe de Médéa joue absolument sans complexe. Il faut dire qu'ils ont de bons attaquants vers l'avant. Il y a le Roumari, il y a le jeune Yassine Medden. Tout cela, ça fait que ça bouge. Et pour preuve, il y a eu 2 belles occasions de but. Vous avez se retourné en pivot d'El Roumari, qui n'est plus à présenter, qui a joué dans plusieurs clubs et qui a failli, en tous les cas, il a effleuré la transversale. Je peux vous dire que s'il avait relancé le match, on aurait eu droit à un tout autre match. Puis il y a cette tête de Khmour, ce joueur venu de l'USM Annaba, qui a un peu trop croisé son ballon, qui a raté quelque peu la cage. Oui, c'est vrai, Mohamed, il y a eu quelques occasions, mais c'est vraiment très peu.
pendant 45 minutes. C'est pour toutes ces raisons que je dis que l'OM Média, c'est vrai, vous savez, Mohamed, quand vous êtes hanté par le doute, quand vous n'avez pas cette confiance que possède le Mouloudia d'Alger, voilà ce qui arrive. Espérons que cette équipe de l'OM Média, d'abord, elle va se ressaisir pour ne pas encaisser en deuxième mi-temps beaucoup de buts, parce que je sais que très bien que Neris va opérer avec des changements. Il peut incorporer Djabou, il peut incorporer Belkhir, donc ce qui veut dire que ça va donner beaucoup plus un aspect offensif pour le Mouloudia. Et puis l'OM Média, maintenant, elle est menée au score, elle ne doit pas baisser les bras, elle doit aller vers l'avant et jouer avec son batou. Même si la mission de l'Olympique de Média est quand même, va être très très difficile face à un véritable rouleau compresseur que ce Mouloudia d'Alger, qui joue, vous avez dit, une défense compacte, une attaque qui fait preuve de beaucoup de mobilité, de combinaison, et surtout avec deux couloirs à droite, Hachoud, à gauche, Lamara, sont deux véritables flèches pour vous dire que les attaquants mouloudiens sont bien servis en bon ballon. Bien souligné, Mohamed, et je dirais tout simplement que quand vous avez cette grinta, quand vous avez cette confiance, vous savez que dans le football, la victoire appelle à la confiance, et la confiance est un aspect très important pour le développement d'un club. Une équipe du Mouloudia d'Alger, en tous les cas, qui est en train de dérouler le tapis face à cette sympathique formation de l'Olympique de Médéa. Une équipe du Mouloudia qui, quoi que l'on dise, est en train de se préparer éventuellement à jouer un match de Coupe d'Afrique ce week-end. C'est toujours bon de se prémunir. Oui, parce que l'ensemble des joueurs ont compris que dans le football, il faut être régulier. À chaque fois, il faut être performant, aller vers l'avant, ne jamais rechigner. Et puis, quand on voit les éléments que compose le 11 rentrant aujourd'hui, c'est une équipe à vocation offensive. C'est tout le monde, mis à part le gardien, c'est tout le monde qui est doté d'un volet technique appréciable. C'est ce qui donne que cette équipe de Mouloudia, elle a cette capacité d'aller en attaque placée. C'est tout le monde qui touche le ballon. Un seul changement dans les deux équipes pour cette première mi-temps, Orbeï blessé, qui est sorti malheureusement, l'ancien défenseur sétifien, qui est remplacé par Marouani, poste pour poste, aucun problème ? Oui, c'est tout à fait logique, c'est légitime, n'importe quel entraîneur aurait opté pour un autre changement, parce que Marouani, c'est un axial, et puis peut-être que notre entraîneur aurait eu cette capacité de jouer derrière à trois défenseurs au lieu de mettre quatre défenseurs. Et le football moderne aujourd'hui, on l'a dit, les joueurs de couloir sont très importants. On a parlé de Hachoud d'un côté et de l'autre, Lamara, bien évidemment, côté Belabès. Mais il faut dire que côté Média, il y a Naes Laraba, l'ancien joueur du Mouloudia de Béjaïa, côté gauche, qui est en train d'oser lui aussi au profit de l'Olympique de Média. Oui, c'est bien. Vous parlez de Hachoud, vous parlez de Lamara, vous parlez de couloir, actuellement dans le football actuel de haut niveau, Mohamed. Et ces éléments, ils apportent et de la largeur et de la profondeur. Il touche énormément de ballons dans le camp adverse que dans leur propre camp. Concernant Naas dont vous parlez, c'est bien ce qu'il fait, mais à chaque fois, il est esselé. Il est esselé, mais il est en train d'oser, de faire preuve d'un peu d'audace au couloir gauche. C'est dommage que de l'autre côté, Arbaï, l'autre Arbaï, celui de Médéa, n'ose pas tellement par rapport à Naas Laraba. Oui, c'est un tempérament, donc un est beaucoup plus offensif, l'autre défensif, c'est comme ça. On ne peut pas changer la donne, mais toujours est-il que cette équipe de l'OM Médéa, quel que soit les résultats finaux, c'est une équipe sympathique, donc c'est une équipe, si elle arrive à régler ses problèmes financiers, elle peut aller vers l'avant. Et si le Mouloud d'Arbaï est venu de l'entente de Sétif qui est sorti malheureusement avant la mi-temps, il faut souligner que le deuxième Arbaï, celui de l'Olympique de Média, lui vient de l'USM Annaba. L'USM Annaba qui a toujours été un grand pôle de développement du football algérien. Oui, tout à fait. Quelqu'un ne connaît pas l'USM Annaba, c'est une grande ville. C'est un club qui a donné énormément de joueurs avec les Atoui et consorts. En tout cas, une équipe du Mouloudia qui joue avec beaucoup d'aisance. Il faut dire que le score, le tableau d'affichage est en sa faveur. Et si l'Olympique de Médéa a essayé d'attaquer, il risque de se faire surprendre. La preuve, dans le temps additionnel, 45 plus une 46e minute de jeu, ce tir de Lamara côté gauche qui a failli faire mouche, sauf que son tir a tapé sur le petit filet extérieur. Oui, moi je dirais tout simplement, je vais anticiper un petit peu sur la deuxième période. Si le Mouloudia d'Alger continue à jouer de la sorte, avec les éléments qu'elle possède, elle a toute la chance et toute la possibilité de marquer un troisième. Et on a revu donc ce tir de Haddadi, Toufik Haddadi, quelle entente au niveau avec Sami Frioui. Haddadi qui a porté les couleurs de Médéa et qui est en train de jouer contre son ancien club. Sentiment pour sentiment, c'est un peu difficile, non ?
Oui, c'est difficile, mais vous savez, la carrière d'un joueur, elle est faite ainsi. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous êtes sous d'autres cieux. C'est comme ça. Et puis, Adadi est en train de donner un plus dans l'entrejeu en mi-terrain que Nouriz est en train de profiter, Mohamed, parce qu'il y a Harak, il y a Adadi, il y a Bourdim, il y a Djabou. Donc, tous ces éléments sont là pour donner un plus à Nouriz. Il faut dire, rappeler que l'entraîneur, qui parlait de Nouriz, il a embusqué aux avant-postes Abdel Hafid, l'ancien attaquant, l'ancien avant-centre du Mouloudia, qui est en train, du Mouloudia d'Oran, qui est en train de se battre sur tous les ballons. Pourquoi pas pour essayer d'en planter un? Oui, mais ce que je reproche à ce Abdel Hafid, c'est qu'il sort. Il sort de l'axe, il sort de Cherfaoui, il sort de Messaouden, il vient prendre des ballons derrière, alors que derrière il y a Bourdin qui essaie de distiller les ballons côté droit sur Rachoud et côté gauche sur Lamara. Et quelle classe ce Harag, moi j'aime bien voir jouer ce gosse. C'est vraiment un pied gauche magique, l'ancien Haraji qui est passé par le Nasser du Sindé. Dommage qu'il prend des cartons un peu stupides. Oui, dommage. Pourtant, il a une carrière derrière lui. C'est un gars qui apporte énormément sur le plan jeu. Mais j'ai dit tout à l'heure que c'est un gars qui a un tempérament impulsif. Et de temps en temps, ça lui joue un très mauvais rôle. Il faut dire aussi que l'Olympique de Médéa a la chance d'avoir un très bon défenseur axial, Chorfaoui, qui revient d'une longue blessure, vous l'avez si bien dit, quand il était honnête l'an dernier. La semaine dernière, contre le Mouja d'Oran, il était remplaçant. Aujourd'hui, il a été titulaire au sein de l'équipe Médéa. En tout cas, il est en train de faire acte de présence au niveau de la charnière centrale. Tout à fait, Mohamed. Je peux vous dire que la rentrée de Chorfaoui aujourd'hui face au Mouloudia, il me semble que Chérif Hadjar a essayé de jouer la carte de l'expérience. Maître Chorfaoui, lui qui a énormément de match dans les jambes. Malheureusement, cette équipe de l'Omédéa a encaissé 2 buts dans le premier quart d'heure, ce qui veut dire que cette équipe est loin de sa forme habituelle. Faudrait peut-être parler de Fléoui, le meilleur buteur du championnat actuellement avec 4 buts. Quel sens du but, quel opportunisme aujourd'hui, il n'a pas raté l'occasion en tous les cas d'en mettre une dedans. Oui, j'ai bien apprécié son but qu'il a marqué aujourd'hui, le premier, parce qu'il tire sans prendre d'élan. Et puis vous savez très bien, Mohamed, dans le football, quand vous avez cette capacité de la confiance, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Il a de la réussite et c'est ce que demande un attaquant. Avec un travail, avec un bon soutien derrière, un garçon qui s'appelle Bourdim, là aussi, c'est un joueur talentueux. Talentueux, et puis il est très bon dans la dernière passe, dans la verticalité. C'est bien, ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe de Mouloudia version 2020-2021 est bien partie pour faire un bon championnat. Vous avez parlé tout à l'heure d'un bon joueur, Haddad, qui est venu de la JSM Skikda, qui est en train de s'imposer, mais alors avec un flegme incroyable au niveau de l'axe central mouloudéen. Oui, tout à fait. Ce Haddad, moi, en tant qu'ancien axial, je l'apprécie énormément parce que d'abord, il défend debout, il défend avec une certaine intelligence et puis il sait jouer au ballon, il a cette relance au sol. C'est un très bon élément pour l'avenir. Les deux équipes font leur apparition sur le terrain. Il y a le Mouloudia d'Alger, le Pic de Médéa. Peut-être une intervention, Fethar, non? J'attends la sortie de l'entraîneur du Mouloudia qui avait tout à l'heure empêché le préparateur physique de donner ses impressions. Il disait qu'il voulait qu'il reste concentré. Donc j'attends la sortie de Nabil Nouriz du tunnel pour le prendre. Je vous appellerai tout de suite après. Bien évidemment, on attend la réaction de Nouriz. On voudrait connaître bien évidemment son impression. Un entraîneur qui mène par 2-0 à la mi-temps actuellement. C'est déjà, mais on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de rigueur malgré cette avance de 2 buts. Il tient à la rigueur pour son équipe. Oui, il tient parce que le joueur algérien a tendance à s'endormir. Donc à chaque fois, il faut être derrière, c'est bien ce que fait Nouriz. Et puis avec l'effectif que possède Nouriz, il peut, si vous voulez, opérer des changements, opérer même un changement de dispositif et d'animation aussi. Alors, on parlait tout à l'heure, on a reçu même une information de la part de notre ami responsable des sports, Mokhtar Hamani, qui nous dit que l'ancien gardien international Hadjaoui a été transféré aujourd'hui en France, en tout cas pour subir une intervention chirurgicale. Nous sommes contents pour l'un des plus beaux fleurons du football algérien. C'est une source du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est une bonne chose que l'État algérien s'est occupé d'un ancien joueur international. Oui, tout à fait. Je pense que c'était une très, très bonne nouvelle. Espérons que Hadjaoui va revenir pour sa petite famille. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Allez, retour donc à cette deuxième mi-temps pour avoir le plaisir de partager avec vous cette belle affiche Mouloudia d'Alger. Mohamed Hachim, oui, en compagnie de l'entraîneur du Mouloudia, juste une toute petite question. Le club mène 2-0. On parlait juste de Milo Derbéry. Qu'en est-il pour sa blessure? Est-ce que c'est une grave blessure? On ne sait pas. Il a mis de la
des glaçons. Au moins, il n'y aura pas d'inflammation. On va faire la radio ou bien l'IRM demain. Inch'Allah, on va savoir la gravité de cette blessure. Satisfait de la première mi-temps, coach ? Je ne suis pas satisfait du tout. Alors, comme vous voyez, Mohamed Haouchine, Ahmed Laribi, Nabil Nriz, malgré le 2-0 de son équipe, n'est pas satisfait. On verra ce qu'il leur a dit et ce qui se passera en deuxième mi-temps. Ah oui, on l'a dit et redit plusieurs fois. On l'a vu tout à l'heure sur notre écran, au bord de touche. Il est très rigoureux sur cette incursion. Il a manqué une position d'hors-jeu. Non, la rive ne s'y fout pas dans la mesure où la balle a été récupérée par la défense mouloudéenne. Donc on disait qu'il donnait l'impression, en tous les cas, d'être quelque peu crispé. Il a toujours été trop exigeant, chose tout à fait normale pour un coach. Oui, l'exigence fait partie du football de haut niveau. C'est vrai qu'une rise a le droit de dire qu'il n'est pas satisfait, parce que dans le football, on ne peut jamais être satisfait. Il faut toujours être présent, aller vers l'avant, et ne jamais s'endormir. Au moins qu'il regrette quelque peu ce genre de nonchalance de la partie joueur. Attention, ce centre avec une défense du Moudjakir, elle va se dégager, mais je peux vous dire que cette équipe du Médéa est revenue dans le match. Attention, il y a un bon coup à jouer sur une position d'orge. C'était très très bien joué, malheureusement, au Friwi. Friwi. Oui. Mohamed Haouchin. Oui. Ce que nous appelons, nous, aisance dans le jeu, Nabil Nriz l'appelle facilité dans le jeu, et c'est un coach qui n'aime pas du tout ça. Mais je le rejoins 5 sur 5. Je le disais à Ahmed Fattah qu'il y avait une sorte de nonchalance, et cette aisance, effectivement, est à assimiler en tout cas à la nonchalance, au laisser aller. On ne doit pas tomber dans la facilité, surtout lorsqu'il s'agit d'un club professionnel. Et je dirais tout simplement à notre cher Fattah que c'est bien d'avoir de l'aisance footballistique, mais il faut être aussi vigilant et efficace. Attention, cette incursion, le pic de Médé, attention, il repose. Oh, dommage, problème de timing. Il est parti trop tôt sur cette balle. El Romari. Il est parti un peu trop tôt, je suppose. Il aurait pu claquer cette balle. Il y avait un beau centre à partir de la gauche qu'on va revoir sur ce replay que nous offre notre réalisateur Edouane. Très très bon joueur. Une balle qui s'en va regarder. Ce beau centre de la tête. Dommage qu'il est parti un peu trop tôt, je pense, l'attaquant de l'Olympique. Oui, très bon centre de la gauche, mais très mal repris de la tête. Un problème de timing, Ahmed. Tout à fait, oui, exactement, Mohamed. Sur ce genre d'action, il faut savoir partir au bon moment. Oui, au bon moment, c'est pas donné à tous les joueurs. C'est un calcul de temps au dixième de seconde, bien évidemment. Et touche pour Rebaï. Côté droit, longue touche de surface de réparation, balle déviée, dégagée par la défense mouloudienne, pas pour longtemps, puisque la balle est récupérée encore une fois par l'Olympique de Médéa. Attention, on essaie d'accrocher complètement à gauche avec Boutaga. Attention à la faute, belle manche en tous les cas. Il a attaqué proprement pour éviter le pénalty. Tout à fait, il a bien fait ce Boutaga. Et puis concernant ce jeu de l'OM Médéa, par rapport à la première période de Mohamed, c'est une équipe qui revenait avec des intentions très sérieuses, à savoir aller vers l'avant et ne pas rester trop derrière. Que c'était bien vu en tout cas, que cette intervention, regardez, proprement il a glissé, il a joué le ballon tout simplement sur Lamara avec cette reprise. Une balle qui s'en va en corner, je l'avais dit, une équipe de Médéa qui est revenue avec de meilleures ambitions. Attention, corner, il est joué rapidement avec la prise de la tête, il boxe cette balle, Boutaga, la balle qui revient dangereusement, elle est dégagée comme elle vient par Hachoud, j'ai dit, une équipe de Médéa qui est revenue avec de meilleures intentions. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir, vous et moi Mohamed, et c'est bien. J'avais dit en premier temps que cette équipe de Médéa, étant déjà menée par 2-0, n'a pas d'autre alternative que de revenir dans le jeu, d'être concentré. Est-ce que cette concentration va être du côté de l'Omédéa? On va le voir tout à l'heure. Alors qu'il y a un joueur qui est à terre côté Olympique de Médéa. C'est plutôt deux joueurs, c'est un télescopage entre Haddadi et un attaquant de l'OM Médéa. Mais justement, Mohamed, parlant de blessures, je viens d'avoir le médecin du Mouloudia d'Alger. Et pour Rabi'i, c'est en fait très probablement au niveau des ischio-jambiers. Donc c'est une contracture, voire une déchirure. Il verra demain après le scan. Il faut espérer qu'il y ait beaucoup plus une contracture qu'une déchirure. Absolument. Oui, et vous savez très bien, Fattah, que les ischio-jambiers, c'est très important dans le football. Oui, c'est suite à
son intervention face à l'attaquant de l'OMEDEA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choc, il y a eu juste une contracture suite à un geste assez osé de la part d'Urbeaï. Et vous me tendez la perche pour rappeler l'appréhension des entraîneurs de football après cette longue inactivité de 9 mois sans compétition et les deux joueurs qui reprennent proprement tous les cas. Et Haddadi est le joueur de l'Olympique de Médéa, plus de peur que de mal. Je disais donc qu'on craint beaucoup de blessures et les résultats sont là, même dans les championnats européens, dans la mesure où vous savez qu'on a, on a recensé dernièrement une centaine de blessures au niveau de la première ligue britannique-anglaise, à tel point que par exemple l'équipe de Liverpool a été complètement décimée par des blessures qui sont dues à cette tension. Ce coup franc qui est dégagé avec Boutaga au plein sur cette prise, ça va être... Ça se dispute tout ce genre de ballon. Je disais donc plusieurs, avec ce coup franc, une balle qui s'en va, qui est dégagée par Darag, une balle qui s'en va en touche. Je disais l'équipe de Liverpool qui a été décimée dernièrement par plusieurs blessures qui sont dues justement au manque de compétition. Manque de compétition et un arrêt qui a été très très longtemps pour les joueurs. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment très compliqué pour la reprise. Donc dans le haut niveau, ça se passe comme ça. Et puis chez nous, c'est comme ça. Il suffit tout simplement de ne pas négliger. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes. Et d'ailleurs, pour ces trois premières journées du championnat national algérien, on a noté là aussi plusieurs absences et qui sont dues certainement à ce manque de compétition. Allez, on revient donc ici au stade du 5 juillet à cette équipe du Mouloudia qui a donné l'impression d'être quelque peu bousculée par les Médéens. Oui, c'est vrai, bousculée. Puis cette équipe de Médéa, elle s'installe rapidement dans le camp mouloudien pour essayer de marquer un but qui va changer un peu la donne, si vous voulez. Tout cela pour dire que Nabil Nariz avait raison. Oui, bien sûr, il a raison. Tous les entraîneurs se méfient de cette, si vous voulez, baisse de régime parce que ça peut leur jouer un mauvais tour. Dans la mesure où l'équipe du Mouloudia a baissé quelque peu d'un cran par rapport à ce début de match incroyable, ils ont pris le match à bras le corps, ils ont pris le taureau par les cornes, comme on dit, puis après ces deux buts, marqués après 12 minutes de jeu, ils ont baissé d'intensité. Oui, peut-être que les deux buts marqués par le Mouloudia ont donné, si vous voulez, dans les esprits des joueurs que c'est gagné, c'est arrivé, alors que non, il faut continuer sur le même rythme. Est-ce qu'ils ont les capacités physiques? Parce qu'il ne faut pas oublier, Mohamed, que cette équipe de Mouloudia joue presque trois jours, donc elle est à son troisième match en une semaine. Est-ce que là, la capacité physique? Et Frioui, donc, qui a été séché, il a pris une godasse sur cette action, coup franc au profit du Mouloudia d'Alger à une trentaine de mètres. Ça va se jouer entre Bourdim et Hachout. Hachout qui a une bonne frappe, je peux vous le dire. Les joueurs médéens le connaissent. La preuve, ils sont en train de dresser une muraille. On serre les coudes pour ne pas laisser ce genre. Il y a Lamara aussi qui a une bonne frappe de balle. Il va prendre son élan de très loin. Et balle captée par le gardien Alaoui. Je l'avais dit, de bons frappeurs du côté de du Mouloudia. De bons frappeurs, très belle frappe de balle de... Bourdim, c'était bien enveloppé, mais pas assez puissant pour tromper la vigilance de Alaoui. Une balle qui s'en va, balle à terre au profit de l'Olympique de Médéa. En tous les cas, une équipe de Médéa qui joue le tout pour le tout. Oui, elle joue s'en va tout, elle joue avec ses moyens du bord. Étant déjà mené 2 à 0, elle n'a rien à craindre, il faut qu'elle aille vers l'avant. Essayer de bousculer un petit peu cette équipe du Mouloudia. Les coups francs profitent de l'Olympique de Médéa, de l'autre côté cette fois. Là aussi, beaucoup de monde à la limite de la surface de réparation. Le coup franc est botté au niveau du point de pénalité. Attention au jeu de tête, une balle au-dessus de la transversale. Que dira l'arbitre? Certainement en corner. Oui, corner. Et une équipe du Olympique de Médéa qui est en train d'accumuler les corners. Tout cela pour vous dire qu'il a cette soif, cette rage de revenir dans les matchs. Et pourquoi pas, en football, tout est possible. Il faut tout simplement oser. Il ne faut, faut pas craindre le Mouloudia parce que toutes les équipes au monde, si vous voulez, peuvent passer à côté. Maintenant, l'OMEDEA, jusqu'à présent, elle joue bien. Le corner est botté, ouh, juste au-dessus de la transversale. Là aussi, ça donne des frissons, des frayeurs. Oui, des frissons, des frayeurs. Ces balles, les balles arrêtées qui sont toujours une arme supplémentaire dans le football. Le numéro 24 d'Adache a failli surprendre Boutaga. Malheureusement, au moment de sa frappe de balle de 200 francs, il était en train de redescendre sur terre. Sur ce beau corner, tiré de la gauche de la part de Yassine Meden. On voit l'entraîneur adjoint
l'Olympique de Médéa. Lorsqu'on rappellera donc que Chérif Hadjar, l'entraîneur médéen, est suspendu, il est dans les tribunes. On se dégage comme elle vient, côté Médéa. Dommage qu'on n'arrive pas trop à écarter le jeu côté Médéa. Avant, vers l'avant, il n'essaye pas d'écarter le jeu au maximum comme le fait le Mouldia d'Alger. Oui, parce que, bon, elle le fait, mais elle revient, j'ai dit tout à l'heure, dans cette deuxième étape, Mohamed, elle arrive à être dans le camp mouldéen, mais elle utilise beaucoup plus les balles arrêtées. Avec cette balle arrière, il se demande tous les cas, quelque peu préoccupé, Nabil Nariz, l'entraîneur du Mouldia d'Alger. Oui, il a de quoi être préoccupé, Mohamed. Je disais que dans le football, tellement ça va trop vite qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain. Nriz a de quoi être préoccupé parce qu'il est en train de penser au coaching, au changement qu'il va faire tout à l'heure. Parce qu'on a vu que le banc de touche mouloudien est en train de s'échauffer, ainsi que le banc de touche de l'OMEDEA. Il faut rappeler donc au niveau des remplaçants côté Mouloudia d'Alger, il y a Djabou, il y a El Mouedden, il y a Belkhir Ben Algia et un seul des derniers défenseurs puisque Marouani est rentré, il y a Brahimi. Alors que du côté de l'Olympique de Médéa, il y a Bali, Ben Hamed, Gharichi, Boudoumi, l'ancien attaquant de Moustaganem, Tayeb, en ces milieux de terrain de l'AS Aïn Mililay, Ben Lalali. On saura bien évidemment dans quelques minutes les changements qui vont être apportés dans les deux camps. Vous voyez, toute cette facilité du Mouloudia d'Alger en première mi-temps, il fait qu'il y a eu une certaine cassure. Oui, une cassure, une véritable baisse de régime, parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu que l'homme Médien Mohamed est resté dans le camp mouloudien. Elle a empêché, si vous voulez, toutes les relances de Mouloudia. Une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia. On joue pratiquement, on est mort dans le ballon côté olympique, et on se fait en tous les cas... On ne fait pas de cadeau à l'adversaire, on veut à tout prix revenir dans le match. Et si l'équipe de l'Olympique de Médéa parvenait bien évidemment à réduire le score, ça pourrait être un tout autre match. Oui, pourquoi pas. Moi j'ai bien envie que l'OM Médéa marque un but pour essayer d'avoir la réaction des joueurs mouloudéens. Parce que 2-0 c'est bien, 2-1 ça peut donner, si vous voulez, beaucoup de choses aux joueurs mouloudéens de se dire que le match n'est pas encore terminé. Et puis c'est ça le football. Une balle qui s'en va en touche pour Lamara. Alors que les joueurs remplaçants des deux camps, comme vous l'avez si bien dit, sont en train de s'échauffer. Ce survol Abdelhafid qui a buté, il est posto, il est robuste, le gars, il se reprend avec deux défenseurs, il reprend le ballon, attention, un bon coup à jouer sur Abdelhafid, et celui qui va marquer. Troisième but, je l'avais dit, capable en tous les cas, Abdelhafid qui lève, je crois qu'il a joué à l'Olympique de Médéa en tous les cas, c'est l'expression d'un joueur qui ne veut pas exprimer tout son bonheur, et troisième but à la 59e minute de jeu, je peux vous dire que c'est un but qui risque de couper les jambes des joueurs de Médéa. De couper les jambes, et je dirais tout simplement que la messe est dite pour cette équipe de l'OM Médéa, parce qu'elle est revenue en deuxième mi-temps, les premières minutes avec les émotions offensives. Et maintenant, on voit nettement qu'après ce troisième but marqué par Abdelhafid, suite à une passe de Ben Saha en profondeur, Ben Abdelhafid coupe la trajectoire. Il marque un troisième but combien important pour Nriz, qui maintenant ne doit plus être préoccupé parce qu'il va opérer à trois changements. Il y a Belkhir, il y a Djabou, il y a Ben Adjia qui vont faire leur apparition. Mais Ahmed, avant d'inscrire ce but, je l'avais dit tout à l'heure, le mérite de Abdelhafid. Avant l'action de Ben Saha, il était aux prises avec deux défenseurs, ils l'ont bousculé, il allait tomber, il s'est relevé, il a résisté pour revenir, pour relancer son attaque et tout simplement être à la réception, il faut le faire. Et marquer le but parce que j'avais dit tout à l'heure Mohamed qu'il a coupé la trajectoire du défenseur, ce qui veut dire qu'il s'est retrouvé face à face avec le gardien Alaoui et puis après avec intérieur pied droit, il marque son troisième but. Mohamed Haouchine. Oui, Fetter. Et le maestro Djabou se prépare à rentrer. Ah ben c'est bon signe en tous les cas pour un garçon qui a eu des problèmes d'adducteur, je crois, et qui n'a pas été aligné contre le Paradou vendredi dernier, alors que l'on joue l'heure de jeu. En tous les cas, on voit sur notre écran Djabou qui va apporter son coup de patte. Regardez comment
Merci à notre réalisateur Ardouane Hadj Ahmed. Dans tous les cas, vous avez vu, avec même un coup de bandé, il s'est écroulé, il s'est relevé. Et certainement, il va... Je pense que c'est Abdelhafid qui va sortir, laissant sa place à Djabou. Et là, Fribouy va opérer carrément. On ne sait pas si c'est lui, si ce n'est pas lui. Oui, c'est lui, il est sorti. Là, il est sur le banc de touche. Donc, Nriz, excusez-moi Mohamed, oui. Nriz va donner la possibilité maintenant à Djabou et Bourdim, qui sont deux meneurs vraiment extraordinaires. Il y a Fribouy qui va occuper Ahmed. Oui, et il continue à attaquer Nriz, je peux te le certifier, c'est Belkhir et Benaldjia qui vont rentrer d'un coup. Oui, il a intérêt à faire ça parce que le football c'est des buts, le football c'est l'offensive. Il a raison d'opérer, là il met 3-0, il peut changer comme il veut. Et ça sera à la place de Bourdim et Ben Saha. Bourdim et Ben Saha. Donc il y a Benaldjia qui va... être excentré gauche, Belkhir excentré droit, et puis Fribouy va passer dans l'axe comme avant-centre, et juste derrière il va y avoir Djabou comme meneur, comme animateur de jeu. Et du côté de l'OM Média, il y a Ben Allal et Tayeb qui s'apprêtent à rentrer. Oui, ils s'apprêtent à rentrer, mais je peux vous dire d'ores et déjà, mon cher Fater, que l'OM Média, elle a la tête dans les chaussettes. Et c'est en premier Romari qui a cédé sa place à Tayeb et Meden qui cède sa place à Ben Allal. Oui, maintenant, le plus important pour le Moulay d'Alger, c'est d'avoir marqué deux buts d'entrée en premier mi-temps lors du premier quart d'heure. Là, deuxième mi-temps, on marque un troisième but qui va essayer de donner beaucoup plus de confiance, de lucidité, de sérénité au Mouloudia, qui va développer son jeu habituel fait de passes nombreuses, multipliées. C'est le travail des coachs, bien évidemment. Surtout maintenant, on a la possibilité de changer 5 joueurs, toute la latitude, d'apporter de nombreux changements. Hein. Oui, tout à fait. Et puis c'est ça, les entraîneurs s'en réjouissent parce que ça va donner la possibilité à tout le monde de bien récupérer. Et quand on sait, Mohamed, que dans le football, la récupération, c'est le carburant de la performance. Ça, c'est bien dit, en tout cas, mon ami Ahmed. Bien évidemment, on va attendre les remplacements. Au côté, on voit que le joueur roux, il est à terre, Haddad, le défenseur axial, qui est en train de se faire un nom et de se frayer une chemin au soleil, en tout cas, pour s'imposer au niveau de l'axe central pour cet excellent défenseur venu de la GSM Skikda. Oui, tout à fait, Haddad. On avait tout à l'heure, vous et moi, parlé de lui. Parce qu'il mérite qu'on parle de lui, parce que jusqu'à présent, il est étincelant. C'est un défenseur qui défend debout, c'est un défenseur qui est très intelligent. Et puis là, toutes ses interventions sont faites de belles bien manières. Et puis il forme un très bon duo, et avec Rbéry ou avec Merwani. En parlant de Rbéry, justement, Ahmed, j'ai à mes côtés Rbéry, Miloud Rbéry, qui est sorti en première mi-temps à cause de sa blessure, Miloud, pour rassurer les fans du Mouloudia, pour rassurer tout le monde, la blessure. Qu'est-ce que c'est ? Alhamdulillah, ان شاء الله ما تكونش الاصابه خطيره ان شاء الله بالك ما دوك مع الطاقم الطبي دوك نشوف غدا نشوف واش كاين والحمد لله اصابه تكون خفيفه ماشي حاجه اللي تاثر عليا ما ديريش لو طون بزاف ان شاء الله احنا المهم لك الشيء المهم هو فوز الفريق اليوم ودوك منا بالوقت ان شاء الله دوك مع الطاقم الطبي نحضر روحي باش ان شاء الله منا الان سيمان ان شاء الله نكون واجد Inch'Allah, merci beaucoup Miloud. Et donc Miloud Rbéry qui voulait rassurer les fans du Mouloudia, voulait rassurer sa famille aussi, que la blessure n'est pas très grave. Il en saura plus demain après les examens complémentaires, Mohamed. Même nous, on veut te rassurer, Fatah, parce que c'est un élément vraiment très intéressant. On voudrait le voir beaucoup plus sur le terrain qu'en dehors des terrains. Et je peux vous dire en tout cas qu'à l'heure de jeu dépassée, 65e minute de jeu, 3-0, c'est assez sévère, mais en tous les cas tout à fait mérité pour cette équipe du Mouloudia qui a su réagir à temps. Oui, juste après le troisième but marqué par Abdelhafid, on sent nettement que cette équipe du Mouloudia a repris son jeu, à savoir faire beaucoup de passes répétées au sol avec des relances propres. Voilà Benadjia qui danse sur Haddadi et le jeu de Mouloudia commence en, si vous voulez. Là, on voit que Hachoud, il prend le... Attention, cette incursion pour le Mouloudia, ça va de réparation, il va remettre son tir, il a été dévié au dernier moment. Il a été dévié au dernier moment, sinon ça aurait pu faire mouche. Et le gardien Alaoui
gardien de l'Olympique de Médéa qui est en train de gesticuler. Il reproche à ses défenseurs de laisser beaucoup d'espace aux attaquants mouloudéens. Gardez sur cette balle, fort heureusement qu'elle a été déviée par un défenseur médéen. Corner à partir de la droite. Mohamed Haouchine. Oui. Et j'ai à mes côtés le jeune Romary qui a fait une bonne première mi-temps. D'ailleurs, c'était l'un des meilleurs joueurs de l'OM Médéa. Romary 3-0, je pense que c'est un score un petit peu lourd pour l'OM Médéa. وين مركب لنا بريمير بيت في سيزيامينيت هذاك هو اللي اثر علينا شويه جرينا بريمير ميتو مي ديزيامينيت دخلنا شفتوا راتينا بوكو دوكازيون مي الحمد لله ان شاء الله نتعلموا من هذه الاخطاء ان شاء الله من هنا ان شاء الله Et vous pensez que l'OM Médéa a les moyens de sortir de cette crise de début, de grève, de jours pas payés? Bien sûr, nous sommes à l'équipe, Inch'Allah. Inch'Allah, nous sommes à l'équipe, Inch'Allah, nous sommes à l'équipe, Inch'Allah, nous sommes à l'équipe, Inch'Allah, Inch'Allah. Bon courage. Donc c'était l'opinion de Romary, le joueur de l'OM Médéa. Vous vous rappelez son remplacement par qui? Par Ben, je pense que c'était Ben Allel. Bien noté en tout cas, parce qu'on n'a pas vu avec tous ces... Certainement qu'il y aura d'autres changements. On n'a pas vu derrière la guérite, on n'a pas vu le changement en tout cas. Et c'est Ben Alali. Avec cette équipe du Mouloudia qui continue à dérouler cette fois-ci, je pense que les reproches de l'entraîneur Negiz ont fini par porter dans la mesure où l'équipe du Mouloudia est beaucoup plus fringante et appliquée en tout cas. Oui, je pense que maintenant Riz peut-être voulait se rassurer, il voulait se tranquilliser. Là, il y a un troisième but qui a été marqué par Abdelhafid, il est sorti. Et puis on sent que le Mouloudia reprend son jeu. Ahmed, oui, Ahmed, je peux te certifier que Riz ne sera satisfait qu'à la coup de sifflet final. Ah, il est connu pour ça, il est connu pour ça. Mais pour le moment, il est bien parti pour assurer une victoire. Ce coup franc, donc, l'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute. Et deux changements qui se préparent pour l'OM Médéa. À savoir Boudoumi et Ben Ahmed. Boudoumi qui est un bon attaquant, c'est-à-dire qu'on va remplacer certainement Dadache. Dadache tout comme le Romary. Et peut-être Khamour au côté gauche, on le verra de toute façon. Et si en tout cas le Mouloudia d'Alger mène 3-0 allègrement à la 68e minute de jeu, je peux vous dire que dans l'autre match en retard qui se joue à Ain Lila, 0-0 entre la ZAM de Ain Lila et CR Blue Wisden, donc tout cela pour que les supporters des autres clubs le sachent, l'équipe du CRB qui est restée sur une éclatante victoire à Tizimou 3-0 et pour le moment tenue en échec par la ZAM de Ain Lila 0-0 69e minute de jeu. Oui, Almila tient bon jusqu'à présent, mais attention, le match n'est pas encore terminé. Bien évidemment, donc sur cette incursion, Lacroum qui va essayer de changer, il va complètement de l'autre côté, n'assure pas cette passe et intervention de Hachoud, le capitaine mouloudéen, le fils de l'Ataf avec cette balle qui s'en va en touche au profit de l'Olympique, et c'est le 5 qui va rentrer. Et le 26. Côté mouloudéen, c'est Boudoumi. Et le 26, c'est Ben Hamed. À la place. Et puis Mohamed, excusez-moi, côté mouloudéen. À la place de qui? À la place de Rebéi. De Rebéi. Alors, un deuxième Rebéi qui sort, mais il y a deux joueurs qui rentrent. Ben, je te dirai dans un instant à la place de qui Ben Hamed est rentré. Et Adadi, côté mouloudéen, Fatah va sortir. Et c'est non, Ben Hamed est défenseur, il est rentré à la place de Rebéi. Et Boudoumi est un attaquant à la place de Dadash, non? Non. Et Adadi qui sort. Et Mouaddel qui va prendre la place de Adadi. Poste pour poste. Et c'est à la place de l'Adjaibi. L'Adjaibi. Voilà. Boudoumi à la place de l'Adjaibi. Et Mouaddel à la place de Adadi pour le Mouloudia. Très bien. Quel méli-mélo en tous les cas, plusieurs remplaçants à la fois le Mouaddel qui est un très bon. Pied gauche terrible, il a d'abord joué au Mouloudia d'Alger, il est parti au Borjois-Valais, au Kaba pour revenir au Mouloudia. Attention à cette incursion pour Médéa, partie de la gauche, un très beau centre, reprise de la tête, on laisse jouer sur sa cafouille dans la surface de réparation, très belle intervention du défenseur Mouloudia, et ça va, attention, contre. Il y a un bon coup à jouer sur cette balle avec Djabou qui va décaler carrément Flioui, qui va essayer de passer, il va remettre contre une occasion de rater, c'est dommage, et pas signifié. Une simulation carton jaune, dira M. Ahmed Chalif. C'est dommage qu'il y avait un bon coup à jouer en tout cas.
Simulation, on dira. C'était une belle action. L'arbitre contre Mehdi Ben Algia. Regardez cette belle balle de Frioui qui a remis carrément derrière. Beau tacle de la défense sur cette balle. C'était bien vu en tous les cas que d'avoir remisé carrément derrière. C'est bien ce qu'a fait ce Frioui. Il donne une passe en retrait qui est considérée comme la meilleure passe au monde aussi. Pas mal. Pour son centre pour l'équipe de Medea qui va revenir. On essaie d'écarter au maximum, que c'était bien vu en tout cas. Charfaoui, balle en profondeur, l'autre côté avec ce centre au niveau du point de pénalty. Personne à la réception. Personne à la réception. Très très belle intervention de Lamara. Va convoiter encore une fois par Medea qui ne lâche pas prise en tous les cas. Quel brio, quelle ténacité pour les Médéens, même s'ils sont menés à 3-0. Akiyassine Medane, quel coup de pied gauche. Akiyassine Medane qui nous fait rappeler tonton Hakim, oui. Son tonton international. Oui. Va le récupérer encore une fois. Il se fait s'utiliser. Regardez comment il s'accroche en tilique. Ils sont en train de mordre dans le ballon. Les joueurs de Medea qui ne laissent rien passer. Il va essayer de tenter. Dommage que la passe n'a pas été bien ajustée. Ce qui permet à la défense mélilienne de relancer. Pas pour longtemps. Lamara. Bel axe à dette. Hachout. À droite. Et c'est bien vu avec bel échange de balles. Tout cela à trois. Petit jeu assez court, bien mijoté. Balle qui revient et faute, dira l'arbitre. Au profit de Sami Frioui, le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle avec 4 buts inscrits, je le rappelle. Frioui qui est en pleine réussite, il faut le souligner. Alors Karim, il est là, on joue déjà la 76e minute de jeu, toujours 0-0 entre l'Azam de Emilia et le champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad. CRB qui est tenu en échec jusqu'à présent. Balle dégagée par Alaoui, très loin en avant. Bonne intervention, bonne relance pour Harag avec son pied gauche. Il a l'air de bien ajuster ses ballons. Lamara. C'est bien vu, Mehdi Ben Algia qui va buter sur les défenseurs, remet un ballon en touche. Enriz qui est en train d'orienter Lamara en lui disant qu'il faut rester très très haut. Et tout sur cette attaque avec la Koum. Olympique de Medea, essaie d'ajuster au maximum. Donc il va essayer de déborder. Et c'est Bali du côté de Medea qui se prépare à prendre sa place. Bali. Le pétard reste à dire qu'il y a des supporters moulidiens. En tous les cas, on en a vu quelques-uns avant le match, dehors, à l'extérieur. Attention à ce tir pour l'Olympique de Medea. Il va tenter le tir. Dommage qu'il passe au-dessus de la barre transversale. C'est bien ce que fait le Medea après avoir... tenter des situations à droite, à gauche. Elle arrive à sortir de sa cage, mais il n'y a pas beaucoup d'efficacité offensive. Vous confirmez pour Bali, Fatah ? Oui, et ça à la place de Lacroum qui semble accuser le coup. Il est fatigué. Il s'est dépensé, durant tout ce match. Tout à fait, Mohamed. Bali Abdessadour qui vient de l'ML de Boussaada, qui porte le numéro 9 en tout cas. À la place de Lacroum qui n'est pas tellement content en tous les cas, même s'il est en train de boiter. Oui, et même s'il n'est pas content, c'est l'entraîneur qui commande, c'est pas lui. Donc peut-être que sa performance n'a pas été, si vous voulez, à la mesure de l'entraîneur. Donc c'est un changement que Laurent Média va essayer d'en profiter. Et puis Mohamed, là, on joue la 75e minute du jeu. Il reste un quart d'heure de jeu. Ahmed, et je suis à côté de Lacroum, le capitaine, qui s'est dépensé comme un beau diable. Mais bon, en fait, le score est de 3-0. Lacroum
difficile match pour l'OM Medea, pour vos coéquipiers. Vous avez souffert vraiment. Vous aviez donné l'impression de reprendre en début de deuxième mi-temps, mais finalement, ça n'a pas marché. Donc ici deux buts en 20 minutes l'aula. C'était difficile pour nous de nous faire la deuxième étape pour nous faire la finalité. C'est notre troisième but qui est difficile pour nous faire la mobarak. Nous avons pris le match de l'Alem. Vos coéquipiers, c'est une équipe jeune, c'est une équipe pratiquement nouvelle. Vous êtes en train de l'encadrer là. Est-ce que vous pensez que vous avez les capacités de remonter? Merci beaucoup Lacron, mais bon courage. Il est bien placé en tout cas pour parler. Attention avec cette encore ce tir bien capté par Boutaga sur ce tir bien placé en tous les cas. Et la, Mara Mohamed, excusez-moi, qui s'écroule. Peut-être que c'est une crampe. Ça a l'air d'être une crampe. Il est en train de se tenir les cuisses, plus une fatigue musculaire qu'autre chose, je suppose. Tout à fait, Fatah. Oui. Alors, docteur Abada, acide lactique. Oui, il y a un défaut d'acide lactique. Par les médecines. Allez, effectivement, après tant d'intensité, tant de dépenses d'énergie, bien évidemment, ça manque d'oxygène au niveau du sang. Et chose tout à fait normale qu'il y ait des crampes. Oui, c'est logique, c'est légitime, parce qu'il faut être indulgent envers ces joueurs, Mohamed. Parce qu'après un arrêt de 8 ou 9 mois, on ne peut pas leur demander d'être au top, d'être performant du jour au lendemain. Il faut leur accorder beaucoup de temps et j'espère qu'ils seront, si vous voulez, meilleurs prochainement. Et à plus forte raison, Nabil Amara qui a lui souffert du Covid, Ahmed. Oui, tout à fait. Bien souligné, Fatah. Il fallait le savoir en tout cas. Et bien évidemment, avec une équipe du Mouloudia qui mène aisément au score 3-0, net et sans bavure, comme on a l'habitude de le dire. Oui, net sans bavure, et puis c'était, si vous voulez, prévisible. Quand on voit que l'OM Medea, à travers les déclarations de son entraîneur Hadjar, qui dit qu'on est venu aujourd'hui avec de la volonté tout simplement, parce que sur le plan physique, on n'est pas au top. Il y a eu beaucoup de grèves, et puis moi, je n'arrive pas à comprendre ces grèves. On peut rouspéter pour ne pas avoir été payé, mais l'entraînement est de mise. On doit s'entraîner, on ne doit pas s'absenter. Avec une balle convoitée, il est véritablement au four. Et au Moulin, attention, une belle attaque amorcée pour l'équipe de l'Olympique de Médéa. Très très belle intervention de Harag. Elle récupère encore une fois et ça repart pour Mahdi Ben Aljia. Il n'arrive pas à enchaîner, balle récupérée par la défense. Et allez, oui, le gardien qui va dégager cette balle loin en avant. Alors Karim Lila, on joue déjà la 81e minute de jeu, toujours 0-0. Le Chebab Ouzdad, champion d'Algérie en titre, tenu en échec pour le moment par la coriace formation de l'Azam de Karim Lila, 0-0. Oui, c'est bien ce qu'à présent, parce que l'Azam aussi est en pleine confiance. Mohamed, il faut le souligner. C'est une équipe entraînée par M. Yaïch Abdelkader qui est en train de faire du bon boulot aussi. Très bon technicien, Kader, un ami. Attention avec cette balle, c'était bien vu à 3 avec des changements, des accélérations. Et Djabou qui va se revenir carrément derrière, il va envelopper à côté. Il va envelopper à côté. Ça a été très très bien joué de la part de Ben Aljia, de Belkhir, de Djabou, de Femi. Il s'en veut quelque peu. On revoit donc Djabou à l'écran. Regarde quelle aisance. Il va crocheter, revenir carrément. Je garde sur ce geste technique l'image d'un grand Djabou qui a éclaboussé le mondial brésilien. Personnellement, je l'ai apprécié sur ce match contre l'équipe d'Allemagne où il avait subjugué le public brésilien à l'époque. Je peux vous dire qu'il a été encensé par les spécialistes et toute la presse brésilienne à l'époque. Oui, tout à fait, Mohamed. Et puis dans cette action de Djabou, là, il a fait l'essentiel au dernier moment. Il n'a pas su comment envelopper parce que ça aurait pu faire mouche. On a revu donc cette tentative de l'Olympique de Médéa qui n'était pas bien appuyée. Alors qu'au 5 juillet, stade 5 juillet, on joue la 80e minute de jeu. 3-0 pour le Mouloudia d'Alger, faut-il le rappeler.
une équipe du Mouldia qui ne s'est pas privée de, qui ne s'est pas priée de plier ce match avec deux buts inscrits d'entrée par Frioui, 7e minute de jeu, Ben Saha, 12e minute de jeu, et ça a beaucoup pesé en tous les cas sur ce match. Et au moment où l'Olympique de Médéa essayait de revenir dans le match, vous ne voyez pas que ce diable d'Abdel Hafid a porté l'estocade à la 59e minute de jeu, à l'heure de jeu, 3-0 dans un match qui semble quelque peu plié, Ahmed. Oui, il a été plié d'entrée, de le premier quart d'heure, Mohamed a été plié, et puis en deuxième mi-temps, Abdel Hafid, si vous voulez, a coupé... si vous voulez, gars, le cours du jeu en marquant un 3e but qui vraiment a été au goût de Neris, parce que Neris était préoccupé, il ne voulait pas que son équipe se relâche. Donc Abdel Hafid a terminé le boulot. Et puis avec la rentrée de Djabou, de Belkhir, de Benadia, de El Mouaddin, le Mouldé est en train de gérer et de jouer pour essayer peut-être de marquer un 4e ou de maintenir ce 3-0. Alors que du côté de Ain Lila, on joue la 85e minute de jeu, toujours ce score de 0-0 entre l'Azam, l'équipe locale et le Shabab de Belouizdad. Et on s'achève bien évidemment sur une victoire qui permettra certainement au Mouldia d'Alger de rejoindre l'entente de Sétif en tête du classement avec 7 points, soit 2 victoires et un nul contre le Paradou. 2 victoires, une victoire obtenue récemment à Belabès, il faut-il le rappeler, où Samy Frioui a arraché la victoire, il a signé la victoire avec un joli doublé, notamment un deuxième but signé dans le temps additionnel en fin de match, même s'il y a eu une bévue monumentale du gardien belabésien Morsley. Mais la vie, c'est ainsi que les grands clubs du Gouave y croient, que vendredi dernier le Mouldia d'Alger a égalisé en fin de partie contre le Paradou. Oui, tout à fait, j'avais dit que pour cette équipe Mouldia, ils ont une certaine force de caractère et un mental d'acier. Parce que 1-1, Frioui a marqué le deuxième but. Et puis contre Paradou, 1-0 mené. Et c'est Frioui qui est passé par là. Il a égalisé au bon moment. Mon cher ami Ahmed, on appelle ça de la conviction, de l'abnégation d'une équipe du Mouldia qui a cru. Vous savez que c'est très important de marquer en fin de match. Tout ça, ça fait des points précieux. Des points précieux. Et puis là, je pense que le Mouldia est bien parti pour essayer de d'abord de remonter au tableau avec l'entente du Sétif. Et puis avant de recevoir, comment on appelle, les buffles, c'est ça? Les buffles. Oui, parce que c'est un feuilleton qui ne veut pas se terminer. J'espère que cette équipe du Mouldia arrive à l'avant parce qu'elle a les capacités techniques, elle a les capacités collectives pour essayer de faire une très très bonne saison cette année pour le centenaire. Mohamed Haouchi. Oui, bien évidemment, Fatah. On ne la fait pas à Abid Sherif. On ne la fait pas à Abid Sherif. Boutaga, qui essaye de récupérer, faire récupérer son équipe, va gentiment écoper d'un carton jaune. Je ne vois pas pourquoi faire récupérer à 3-0, il aurait pu jouer le jeu. S'ils sont essoufflés, Mohamed dit, sans essoufflés, on sait qu'il n'y a pas eu de grande préparation. Il y a 3 joueurs qui ont les mains sur les hanches, je suis entièrement d'accord. Oui, avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec Nabil Amara, qui était aussi fatigué, mais Abid Sherif ne l'entend pas de cette oreille. Il y a Haddad, il y a Harag et Lamara qui ont les mains sur les hanches. Ouais, tout à fait. C'est un signe, Ahmed. Oui, c'est un signe, et puis je pense que c'est le 4e changement qu'a fait le Mouldia, non? Oui, effectivement. Bon, donc il reste un changement. Brahimi peut occuper la place de Lamara, parce que Lamara est vraiment KO, je pense. Et voilà. Et Boutaga qui vient découper du carton jaune. Il a pris un carton, et bien évidemment, vous avez si bien dit, il ne lâche rien, absolument rien. Donc Fatah, si c'est mérité, on ne peut rien dire. Et il n'y a pas, Ahmed, il n'y a plus de changement possible pour le Mouloudia. Rappelez-vous, ils ont fait 5 remplacements. Absolument. Rappelez-vous que Marouani est rentré en première mi-temps à la place de Rbi'i. Oui, donc c'est bon, c'est scellé. Il y a Rbi'i qui est sorti, il y a Adadi, il y a Ben Saha, il y a Bourdi, mais il y a Abdel Hafid. Absolument. Bien vu. En tout cas, 5 remplacements. C'est à croire que, bien évidemment, on s'empresse un peu, même s'il y a 5, la possibilité de faire remplacer 5 joueurs. Et sur ce plan-là, alors que l'on joue la 84e minute de jeu, et un joueur encore à terre, je disais, ça pèse cette intensité de match, mais aussi, je l'avais dit, ce manque d'inactivité, ce manque de compétition pendant 8 ou 9 mois, ça laisse des séquelles. Oui, beaucoup de séquelles, Mohamed. C'est vraiment très compliqué parce que on ne cessera jamais de le répéter. Un arrêt de 8 ou 9 mois, une reprise, une préparation plutôt de 1 mois et demi ou 2 mois, et puis quelques matchs d'application, je dis bien quelques matchs d'application, c'est pas ça qui va être vous donner la possibilité d'être performant du jour au lendemain.
Donc je dirais tout simplement qu'il faut donner le temps à ce joueur. Attention au coup au niveau du point de pénalité avec la reprise de la tête. Oh, elle passe à côté. Elle passe à côté, je peux vous dire, qu'il y avait un moment d'hésitation du gardien Boutaga de la part de Charles Faou. On le connaît sur son jeu de tête. Mais Saouden, effectivement, à côté, très très bon regardé sur cette reprise de la tête. Il a fusé. Je peux vous dire que s'il a été cadré, que Boutaga était archi battu. Oui, Boutaga qui prend le dessus sur Marouani. Balle convoitée par la défense médéenne qui ne cesse de relancer sans relâche son attaque. Hachoud, une balle en profondeur. Mauvais contrôle. Balle reprise par le Mouloudia. On va relancer carrément à droite, à gauche. Quel toucher de balle avec cette balle bien adressée par Djabou. Avec Floui qui revient encore du bout avec son pied gauche qui va changer carrément de l'autre côté avec Benaldia qui va croiser un peu trop son tir et qui passe à côté. Ils sont vus quelque peu mais l'intention était bonne. L'intention était bonne et puis on voit que sur cette action il y avait 5 joueurs dans la surface de réparation de Mouloudia. C'est ça quand on a cette vocation offensive, c'est ce qui arrive parce que jusqu'à présent Mouloudia a assuré sa victoire 3-0, c'est bien. Dommage pour cette équipe de l'Omédéa qui en a fait des frais aujourd'hui. Alors que l'on joue la 90e minute de jeu, il est toujours 0-0 pour l'équipe du Serbie qui n'est qu'à son deuxième match de la saison, faut-il rappeler. Premier match, première victoire, belle victoire à Tizi Ouzou contre la JS Kabylie. Aujourd'hui, ils se font accrocher par l'Aza, mais pour le moment, 4 points en 2 matchs. Oui, 4 points en 2 matchs. Et puis, je dois parler de l'Aza Melmila. Si aujourd'hui, elle arrive à amasser un point, c'est bien face à une équipe, je dirais, redoutable avec de très bons joueurs. Dans la déviation, la paire au côté de Mouloudia d'Alger, ça revient, mais alors j'ai beaucoup d'admiration pour cette équipe de Médéa qui ne veut pas lâcher prise, qui veut jouer au moins pour l'honneur. Même à 3-0, il ne faut pas baisser les bras. Oui, c'est bien Mohamed, à 3-0, on est mené, le match est plié, mais c'est ça la loi du football. Il faut tout simplement travailler et aller vers l'avant. Il y a un assez bon fond de jeu quand même au niveau de cette équipe de Médéa. Regardez, on arrive à enchaîner de bons moments avec ce tir de très loin qui passe à côté. Je pense que Hadjar, avant le début de la rencontre Mohamed, il a été vraiment explicite. Il a dit qu'on est aujourd'hui venu avec la. On a uniquement de la volonté. Tir du pied gauche de Boudoumi. Tir du pied gauche qui passe à ras du poteau. Je peux vous dire que Boutaga est bien parti. Mais sinon, ça aurait pu faire mouche. Boutaga qui va dégager son ballon alors qu'on joue la 88e minute de jeu ici au stade du 5 juillet. Pour une équipe du Mouloudia d'Alger qui rejoint le poste de co-leader avec l'entente Sétifiane avec cette belle victoire 3-0. Et 6 buts marqués, meilleure attaque pour le moment sur 3 matchs, meilleure attaque du championnat. Tout cela pour dire que le Mouloudia d'Alger est en train d'annoncer la couleur. Oui, dans son cœur et comme on dit Mohamed Toubène dans l'huile parce que c'est une équipe d'abord à travers ses responsables, à travers son entraîneur. Là, il a ferme intention d'aller vers l'avant. Chose tout à fait normale, tout baigne dans l'huile, le lubrifiant, c'est la Sonatrach. Ça carbure très bien, c'est la Sonatrach. Et c'est tant mieux en tous les cas pour les supporters du Mouloudia d'Alger, du grand club algérois qui est en train de dérouler le tapis avec une balle en triangle. Faute dira l'arbitre, une balle qui est sortie en touche alors que l'on joue la 89e minute de jeu. On peut dire en tout cas. À cet instant précis que la victoire ne fait plus l'ombre d'un doute pour le Mouloudia d'Alger. Oui, tout à fait Mohamed, on avait parlé tout à l'heure que le match était plié. Dommage pour cette équipe sympathique de l'OMEDEA qui est venue aujourd'hui au 5 juillet avec un mental qui n'est pas, si vous voulez, au top. Et voilà, elle a payé, si vous voulez, la sauce. Avec un 3-0 jusqu'à maintenant. Attention à ce coup franc au profit de l'Olympique de Médéa, complètement sur la gauche. Que de monde dans la surface de réparation. Défenseur Mouloudia, attaquant de Médéa. Attention au deuxième poteau, elle passe à côté. Tir bien enveloppé. Mais dommage, je pense qu'il aurait pu être ajusté au niveau des 6 yards où il y avait 4-5 attaquants médéens. Oui, tout à fait. C'est un bon centre, un bon tir. De la part de Taïeb, ancien joueur de la ZAM d'Aïmdil. Oui, mais un petit peu fuyant, donc vers le deuxième poteau. Effectivement, un coup franc rentrant qui est passé. De l'autre côté en Sillard et Boutaga qui va dégager cette balle.
Ballon avant. Nadi Belaïdjia toujours aux affûts, à l'affût. Lieu Brisca, attention, complètement à côté, à gauche. Intervention. Très très belle intervention du défenseur Messaouden. Et il est au four au moulin, en tous les cas, un bon axe central aux côtés de Charles Faoui. Hein. Oui, c'est vrai, ils ont une belle paire d'actions, mais malheureusement, ils n'ont pas su comment arrêter, si vous voulez, les offensifs mouloudéennes. Donc c'est comme ça, maintenant il suffit tout simplement de travailler les prochains jours. Messaouden, un joueur venu de l'Olympique d'Arzeux. Il fallait le souligner, je veux dire, tout un patchwork. Et que cette équipe de Médéa, on a récolté, on a recruté des joueurs un peu partout pour essayer de faire bonne figure en tous les cas pour son retour en Ligue 1. Et 3 minutes de temps additionnel, Mohamed. Bien vu en tout cas, c'est ce que me disait du coup de mon ami Ahmed Lalibi, avec un coup franc qui peut s'avérer dangereux, non? Oui, c'est un coup franc. Coup franc dangereux à la limite de la surface de réparation. Un coup franc très intéressant dans cette distance. Peut-être qu'il va y avoir ce qu'on appelle 8 pour sauver l'honneur. Sur le coup franc, je peux vous dire qu'alors qu'Aïn Lilal en joue le temps additionnel, 4 minutes de temps additionnel déjà, et 0-0 entre la ZAN d'Aïn Lilal et le CR Blues Dead. Le suspense. Aïn Lilal, mais point de suspense au stade du Saint-Juillet. Ouais, le suspense n'est plus ici, n'est plus de mise parce que le Mouloudia a été aujourd'hui performante dans ses actions offensives, défensives, avec un moral d'acier aussi. On serre les coudes, bien évidemment, côté Mouloudia, on ne veut pas entacher ce beau 3-0 par un but, mais les joueurs de Médéa ne l'entendent pas de la même oreille. Ça peut faire mouche, Mohamed. Attention, il y a une bonne frappe aussi, le petit numéro 6, c'est Tayeb, venu d'Aïn Lilal, qu'on voit à notre écran. Il y a Charles Faoui aussi qui a un bon coup de botte. Pas assez d'élan. Il va prendre son élan et c'est terminé à Aïn Lilal, 0-0 contre le Serbe Blues. Attention, bien botté, mais alors! Mais quel manchette de Boutaga, excellent joueur qui est en train de justifier sa place de titulaire dans la cage mouloudéenne. Oui, jusqu'à présent, il a toujours fait de belles prestations. Et puis sur ce tir, et lui et numéro 6 ont été vraiment à la hauteur. J'avais dit, il a un pied gauche terrible, que ce Tayeb, avec cette balle qui revient. Dommage qu'il a dévissé au dernier moment. Une balle alors que l'on joue la 90e minute. Il reste plus qu'une petite minute dans le temps additionnel. Et je peux dire en tout cas qu'à 3-0, la messe est dite, elle est bien dite. Très bien dite. Et puis c'est logique parce que le Mouloudia affiche une belle forme avec un état d'esprit conquérant, avec des joueurs qui savent jouer en contre, en attaque rapide et en attaque placée. Puis aujourd'hui, le Mouloudia a démontré qu'on peut compter sur elle. En tout cas, l'équipe de Médéa qui ne veut pas lâcher prise, on revient, attention sur cette incursion, là, comme elle vient, on essaye de se défendre côté Mouloudia, attention à ce contre. 3 contre 3. 3 contre 3, sur cette balle, ça va être le quatrième, non, il laisse passer une telle occasion. Et c'est terminé à l'instant même, 3-0, une victoire tout à fait logique qui permet au Mouloudia d'Alger, bien évidemment au Mouloudia d'Alger, de remporter, de rejoindre l'entente de Sétif avec 7 points au compteur et surtout 6 buts inscrits, une différence de but de 4 plus 4 pour le Mouloudia, mais aussi plus 4 pour l'entente de Sétif. Tout cela pour dire, Ahmed, que cette année, je peux vous dire que le championnat va être passionnant. Passionnant avec 38 journées, ça veut dire que les places vont être très chères, il ne faut pas perdre beaucoup de points. Maintenant, le Mouloudia est bien placé à côté de l'entente de Sétif, comme vous l'avez si bien souligné, Mohamed. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je suis un petit peu peiné par cette équipe de l'Omédéa qui ne mérite pas un tel sort parce que voilà ce que ça donne quand on a des problèmes répétés. Ahmed, oui. Ahmed, à mes côtés, l'artiste Bourdim, 3-0, le Mouloudia revient. C'était un match pratiquement à sens unique. Bien concentré, mais je n'ai pas de la
تبعنا واش قال لنا المدرب تاعنا وكنا في التيران بيان كوم الفو كنا كورياس من اللور كنا متقدمين مليح في المقابله والحمد لله اللي تمكنا من تسجيل هدفين في الشوط الاول في الشوط الثاني كما شفت طاحوا علينا شويه لي دي مينيت الاولين ومن بعد عاودنا سجلنا الهدف الثالث اللي خلانا نلعبوا باريحيه ومن بعد المدرب عنده فرصه باش دخلوا صحابنا اللي كملوا الشيء اللي داروه اللي درناه في البريمير ميطون في الدقائق الاولى. Merci beaucoup, Bourdim. Merci, Fatah. En tous les cas, on a le plaisir de synthétiser cette partie, ce match. 3-0, oui. Mohamed, dans l'attente de l'arrivée du coach Nabil Nariz. Bien évidemment, à votre aise. Alors, 3-0, Ahmed, avec une équipe du Mouloudia qui a frappé d'entrée. 2 buts en l'espace de 12 minutes. Frioui, 7e minute de jeu. Ben Saha, 72e minute de jeu. L'équipe de Médéa a essayé de revenir dans le match, oui. Alors, à mes côtés, coach Nabil Nariz. Coach Nabil Nariz, 2-0, Nabil Nariz n'était pas content. À 3-0, l'est-il ? Tout à fait, parce que je voulais ce score en première mi-temps pour bien gérer la deuxième mi-temps. Et n'oubliez pas qu'on a fait 3 matchs en une semaine. On a un match de Coupe d'Afrique qui nous attend, donc je voulais préserver les joueurs. Ce que j'ai dit avant le match, c'est de tuer le match en première mi-temps. À 3-0, quand même, on était à l'abri. Malheureusement, on n'a pas marqué le troisième but. On perd un joueur sur blessure. Sincèrement, c'est ça qui m'a énervé à la mi-temps. Maintenant, alhamdoulilah, je pense quand même qu'il faut être tolérant avec ces joueurs qui ont fait 3 matchs de suite. Donc, à la fin, les 3 points sont bien, mais il faut beaucoup de travail parce qu'on doit être régulier pendant 90 minutes. On ne peut pas jouer 15 minutes et être absent pendant 30 minutes, revenir après 10 minutes et être absent jusqu'à la fin. On a vu beaucoup de facilité. Et ça ne fait pas les affaires de l'équipe parce qu'on a quand même des matchs de Champions League de très haut niveau. En tout cas, il a raison. Allô. Oui, Fatah. Alhamdoulilah, ndan belli فوز ثمين خاصة بعد 3 مباريات متتالية. ndan belli النقطة السوداء اليوم اننا ضيعنا لاعب في ظروف اللي كنا قادرين نتفاداوها لو سجلنا الهدف الثالث في الشوط الأول. هذا اللي كنت نحوس عليه هنا منذ بداية الشوط. تكلمت مع اللاعبين اننا ان شاء الله نقتلوا المباراة في الشوط الأول باش نسيروا باحترافية كبيرة الشوط الثاني ونحافظوا على اللياقة البدنية لأن عندنا مباراة يوم السبت اللي مباراة مهمة جدا. الحمد لله على 3 نقاط نظن باللي الفريق يتحسن من مباراة المباراة ولكن رابطة أبطال إفريقيا تطلب فريق اللي يكون حاضر طيلة 90 دقيقة ما يكونش عنده يلعب 15 دقيقة ومن بعد يغيب طيلة 30 دقيقة نظن باللي يعني في المنافسة القارية لازم يكونوا في أعلى مستوى من كل جوانب يعني من جانب الفني من جانب التكتيكي من جانب البدني حتى يعني من السهولة ما لازمش نولفوا هذه السهولة هذه لأن نمشي والصعوبة تجي شكرا. Donc Mohamed, c'est ce qu'on disait, moi, toi et Ahmed, c'est Nabil Nariz n'aime pas les intervalles de jeu, n'aime pas rentrer dans la facilité. Bah, il a raison, on le rejoint en tous les cas 5 sur 5, il fallait plier le match bien évidemment pour se donner de la sérénité, de l'aisance. Toujours est-il que je rappelle que le Mouloudia a frappé d'entrée 2-0 après 12 minutes de jeu, il fallait le faire. Tout d'abord bien évidemment Frioui, 7e minute de jeu, Ben Saha, 12e minute de jeu. L'Olympique de Médéa n'a pas lâché prise, elle a essayé de revenir, en tous les cas elle a titillé quelque peu la défense mouloudienne. Malheureusement pour elle, le Mouloudia frappé très fort avec ce 3e but signé Abdelhafid à l'heure de jeu et tout était plié. Victoire tout à fait logique pour le Mouloudia d'Alger, Ahmed Lalibi. Oui, amplement mérité, c'est légitime parce qu'en face on avait une équipe qui avait le vent en poupe, on l'avait dit, puis en face il y avait une équipe de l'Omédéa avec des grèves répétées, avec des joueurs qui ne s'entraînaient pas. Donc je pense qu'aujourd'hui le Mouloudia a réussi l'essentiel, c'est gagner avec 3 buts à la clé. C'est bien avant de rencontrer samedi prochain le CSI qui est un série client. Maintenant, ce que je dirais tout à l'heure, Nariz a parlé d'indulgence envers les joueurs. Mm-hmm. C'est vrai, parce qu'il ne faut pas trop tirer sur les organismes. C'est, les joueurs ne sont pas des robots, donc il faut être indulgent. Le match n'aura pas lieu samedi, vu qu'il y aura le match de Champions League. Ah, d'accord, donc merci. Le match contre le CSC sera reporté. Bien vu, Fatah, c'est ce que j'allais dire. Alors que cette sympathique formation d'Olympique de Médéa aura fort à faire ce week-end en venant au stade de Bolorine jouer l'USMA d'Alger. Ça ne va pas être une partie de plaisir, mais en tous les cas, avec quel cran, quelle détermination. Mais en tout cas, 3 buts pour le Mouloudia d'Alger, 3 buts inscrits par 3 joueurs différents, ça veut tout dire.
trois joueurs différents et trois joueurs à vocation offensive. Donc vous et moi aujourd'hui, Mohamed, on a été vraiment très gâtés. On a eu droit à trois buts. On peut pas dire que ça a été un match pas assez plaisant. C'est vrai, parce que pour jouer au football, il faut être deux. En face, il y avait une équipe de Mouldia qui jouait très bien. En face, l'OMEDEA, on savait qu'elle avait traîné un petit peu la patte, mais c'est comme ça. En tout cas, vous avez dit qu'on a été gâtés, mais ce sont les millions de téléspectateurs de la télévision nationale qui ont été gâtés aussi par cette belle affiche cet après-midi. En tous les cas, les supporters du Mouldia d'Alger, bien évidemment, doivent être aux anges. Ceux du Mouldia, ceux de l'Olympique de Médéa, quelque peu déçus, mais je peux vous dire qu'il y a de l'avenir dans cette formation sympathique. On aura le plaisir, bien évidemment, de vous retrouver prochainement sur notre chaîne Canal Algérie pour vivre encore d'autres confrontations aussi chaudes. Et pourquoi pas? Je pense que Nerys maintenant va rentrer dans une autre préparation par rapport au championnat. En tout cas, le Mouloudia d'Alger rejoint l'entente sétifienne avec 7 points dans l'escarcelle, 2 victoires et un match nul. Il fallait le faire. Tout cela pour vous dire que le match va être très très passionnant, surtout que, alors qu'en même temps, le champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad, a été accroché pour son deuxième match de championnat. Il restera un match en retard, bien évidemment, pour l'équipe du CR Belouizdad, qui est capable de refaire le même coup que l'entente et que le Mouloudia d'Alger, pourquoi pas, pour recoller le trio de tête à 7 points, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Et puis, moi, j'aime bien quand, au niveau de la tête, c'est-à-dire au niveau de peloton, il y a de très bonnes équipes avec de très bons joueurs. Ça donne un championnat meilleur sur le plan de la qualité de jeu aussi. En tous les cas, on s'est fait plaisir de partager avec vous cette belle affiche Mouloudia d'Alger, Olympique de Médéa, en ayant le plaisir de vous retrouver bientôt, prochainement, sur notre chaîne Canal Algérie. Bonne fin de journée. À très bientôt.